message. Ouais, arrêtez de m'envoyer des messages, c'est pour moi. Could you know? Could you tell? In my mind, could I move? What could you tell?
Donc, Paris. Tu ne veux que tourner, tourner. Tu ne veux que regarder, regarder. Solentina, yo, bae. Marie
La femme sensuelle, la sensualité. Aïe, Madame Jikoumé. Ouais. Tu es un cadeau. Tu es le don du ciel que Dieu m'a donné. Je crois que si tu n'es pas là, je mangerai, je vivrai plus. Sans mettre quand même Belka Tobi. Belka Tobi. Désolé pour ceux qui sont pressés. C'est le 8 mars aujourd'hui, donc. C'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Donc, on va mettre les artistes qui chantent pour la femme. C'est quelle chanson de Belka Tobi que vous choisissez pour la femme? Qu'est-ce que je peux mettre là? Ouf, Belka Tobi, je mets quoi? Pardon, n'est-ce pas? Pas solitude, Belka Tobi, pardon. Le seul homme qui a demandé pardon à la femme. Ou bien je mets jumelle, non. Pardon. Non, je mets pas ce... pardon. On va mettre pardon de Belka Tobi. La méga, la gigastar. Le seul homme qui demande pardon à une femme. Je peux pas fermer sans dire pardon. Hé, hey, à la saladière. Je suis un boba logo. Big up à tous les bassins de la team.
femmes renchérier et sont aimées. Il y a aimé. C'est toi seul que j'aime. Les gens qui sont pressés, partez. Si vous êtes pressés. C'est toi seul que j'aime. C'est toi seul que j'aime. C'est toi seul que j'aime. C'est toi j'adore. Big up à toutes les femmes du monde entier, à la cité, à Commandant. Reviens ma chérie, oh pardonne-moi. Sans aimer, c'est toi seul. Reviens ma chérie, oh. Je mets le nouveau. Merci Delka Tobi, merci à toi la giga, la méga, la pop star. Merci à Belle Katoubi. Hein. On va mettre le nouveau. La nouvelle chanson. On va mettre la nouvelle chanson de. De la Corée du Sud. Son nouveau clip qui a été très bien réussi. De la Corée. De la Corée. Hein. On met le nouveau son de. De la Corée, qui a été très bien fait, notre artiste Bendeka, tous les jours Bendeka, vous aussi. Voilà le nouveau son qui est sorti il y a quelques jours. Écoutez bien, au-delà qu'il soit c'est un bon artiste. Longue, c'est un artiste comme ça. Au-delà qu'il soit il chante bien. Écoute la femme, aime les géants hommes. Aime les courtes femmes. Arrive au lit, ils ont la même taille. Arrive au lit, les deux là se complètent. Les deux se complètent. Waouh! À Londres, Tos. Doris industrielle. La boutique Doris industrielle. On applaudit pour. Même que les jeunes filles. On applaudit pour l'artiste. Arrive au lit, ils ont la même taille. Arrive au lit, la jeune fille travaille beaucoup. If you love me, bring me something with you. I love you. Oh, me and you. Oh, we go for the diamant. I got plenty you. Aïcha Fafa, les hommes mêmes, Roger adore les grosses femmes, les enfants du monde. Allez, ils ont la même taille, papa Longue, Longue arrive au lit. Ils ont. Tu chantes bien, j'adore. Je suis la première à faire ta promo, je serai la première à faire la promotion. Hein. Moi, je ne suis pas rancunière. La souveraine. Chicote, chicoter des jaloux, chicoter des aigris, la chicote à l'infini. Je suis grosse, tu es mince, souveraine. Complète-nous, je suis grosse, tu es mince. Complétons-nous, je suis star, tu es sambrakata. Complétons-nous. L'homme que je sais. Je suis star, tu es no name. Complétons-nous. Tous.
la PDG canadienne. Ouh, on a chanté son nom. La PDG canadienne, ton nom est déjà sur ça, hein. Hey. Bravo. La PDG canadienne, oh, ton nom est sur ça. Oh, la chicotte des aigris. Je sais pas qui me dit. Alors yo, complétons-nous. Complétons-nous. Je suis métisse, toi tu es noyé, bébé. Complétons-nous. Je suis musulman, toi tu es chrétienné. Complétons-nous. Je suis francophone, toi tu es anglophone, bébé. Complétons-nous. Merci, merci à monsieur Longuet Longuet. Merci, merci à toi. C'est sans rancune, hein. Je soutiens les artistes, hein. Je suis la culture. Voilà, donc sans rancune. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Bon, il faut que je mette un artiste BAMS. Je mets qui? Je mets qui? Un artiste BAMS que vous connaissez qui chante pour la femme. Je mets qui? Je mets DJ Gérabène. Je mets qui? Grâce Deka, d'accord. Ok, vous aimez Grâce Deka, moi aussi je l'adore. Big up à la diva Grâce Deka. Big up à Mave. Big up à la femme Bazoué. D'accord, je mets Grâce Deka, la femme Bazoué. Grâce Deka, d'accord. Mais vous les femmes, vous adorez Grâce Deka. Waouh. D'accord, on met, c'est votre jour, ok. Et puis on va faire le discours. Hein. Je mets Grâce Deka et puis on fait le discours. Hein. D'accord. Grâce Deka, je mets Mounienge. Je sais que c'est ça que vous attendez. C'est Mounienge. C'est Mounienge. Prince Patrice. Mais pas. Guy Watson. Ok, je vais mettre Guy Watson aussi. Oui, je vais mettre. Don, 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 don. My God. Kangadwala, il raconte ici qui dansait. Comment on l'appelle? NBA Jazz. Qui danse comme ça?
Fabriqueuse bien.
La chicote chicote des aigris à l'infini, bien. Tapez, non? Voilà, donc je me définis comme une activiste sociale. Je me définis comme une activiste sociale sur les réseaux sociaux. Parce que je dis fort ce que les gens pensent tout bas. Je le dis, j'ai le courage de le dire tout. J'ai le courage de le dire fort ce que les gens pensent tout bas. Je m'impose, je me suis imposée par la force de frappe, c'est-à-dire par la résistance. J'impose, c'est-à-dire je me fais entendre. De gré ou de force, je m'impose, j'insiste. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, vous témoignez. Il y a beaucoup qui témoignent de ce que j'ai fait dans leur vie, c'est-à-dire l'impact. Une activiste, c'est celle qui a l'impact sur les gens. C'est-à-dire qui parle, qui insiste et les gens écoutent. Et je sais que vous m'écoutez, c'est pourquoi je me définis comme une activiste sociale. Beaucoup de mes fans entre vous témoignent que j'ai eu l'impact dans leur couple. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes témoignent que je leur ai fait rentrer dans le mariage. Beaucoup de femmes témoignent que je les ai réconciliées dans leur famille. C'est ça une activiste. Oui, donc beaucoup de femmes témoignent. Je peux citer, vous pouvez citer les exemples. Grâce à la reine mère, grâce à Fleur de Lys, la reine mère, l'activiste sociale que je suis, qui défend les femmes mariées en détresse et les femmes en couple en détresse. J'ai fait rentrer Cyril Dié dans la maison avec Aline. Moi, Fleur de Lys, j'ai fait rentrer Cyril Dié. J'ai récupéré Cyril Dié dans les mains du prostitute que j'ai remis à sa femme Aline. J'ai combattu. Le voilà dans son mariage. Samuel Eto'o, j'ai récupéré Samuel Eto'o. Dans les mains de Holé Holé, j'ai remis à Georgette Eto'o. Ils sont ensemble aujourd'hui. Je suis fière de moi. Combien de couples parmi vous que vous n'osez pas témoigner de l'impact que j'ai eu dans vos vies? De comment je vous conseille tous les jours de dire ne laisse jamais ton couple à un prostitute. C'est une maîtresse. Je dis non aux femmes du monde entier. Vous êtes des femmes. Hein? Je vous demande aujourd'hui, en cette 8 mars, d'être forte, d'être travailleuse. Je suis aussi avec les célibataires, les femmes célibataires. Je demande à la femme de s'entretenir, de mettre son rouge à lèvres, de se laver, de se parfumer, d'être propre et d'aller travailler. Parce que le travail, c'est le premier mari. Le travail, c'est son tout. Pour les célibataires, je compatis pour votre célibat. Et je vous dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Oh, je n'ai pas de mari. Oh, je n'ai pas de mari. Je vais avoir un mari quand Dieu m'a refusé le mariage. Dieu m'a refusé le mariage. Es-tu sûr que peux-tu entretenir d'abord un homme? Peux-tu garder un homme? Hein? Je te demande, toi, la célibataire, arrête de jalouser ta copine qui est mariée. Demande à Dieu de donner ta part et donne-toi les moyens. Ne t'assois pas sur les réseaux sociaux tout le temps à brûler les mamies, tout le temps à commenter. Tu es incapable de t'occuper de ta maison, tu es incapable de te laver. Tu te lèves depuis le matin, tu es couché au lit comme ça. Tu ne te lèves pas. Tu es couché au lit comme ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu tapes tous les murs, tu tapes les pages, tu retapes. Tu tapes les pages, tu retapes. Non, réveille-toi, va faire ta vaisselle. Lève-toi, va faire ta vaisselle, fais ton ménage, range-le chez toi et puis enfin Facebook vient après. Ne mets plus Facebook devant tout. Facebook n'est pas ton tout quand même. Facebook n'est pas ton tout, regarde-toi. Tu es en train de me regarder, j'ai dit le direct était à 12h, je suis arrivée à 12h30. Parce que je t'ai laissé le temps de t'entretenir, j'ai laissé le temps que tu cuisines, je t'ai laissé le temps d'aller au marché. Aujourd'hui c'est jeudi et en France, le jeudi, c'est le jour du marché. Dans toutes les petites provinces, les grandes villes, les villages, je t'ai laissé le temps d'aller au marché et de revenir t'asseoir sur Facebook. Te voilà, tu es toujours couché. Tu tournes sur toi-même. Tu fais le tour comme la chaise du coiffeur. Tu ne te lèves pas.
quel homme va t'épouser, ma chérie? Quel homme? Tu ne peux pas garder un homme. Voilà pourquoi tu es seule. Tu ne peux pas. Tu cries sur un homme. Tu cries sur ton homme. Tu cries sur lui. Tu cries sur quel homme? Tu parles fort. Dès que quelqu'un te drague, ton dragueur même. Hein? Parce que c'est la femme qui fait que l'homme l'épouse, ma chérie. Ne reste là quoi que comme tu as tes millions, tu t'assois là, tu crois qu'une femme, un homme va venir t'épouser comme ça. Non, donne-toi les moyens, fais-toi épouser. C'est facile d'avoir un show, mais avoir un mari, c'est difficile. Hein? C'est très difficile d'avoir un mari. Même les femmes mariées, là, quand vous êtes mariées, vous avez beaucoup de dragueurs. Mais quand tu laisses ton mari, quand il sait déjà que ton mari n'est plus là, on ne te drague plus. Tu commences à dire que ouais, on t'a versé la poisse. Non, ma chérie. On ne t'a pas versé la poisse, c'est parce que quand tu étais dans le mariage, voilà pourquoi la personne s'est intéressée à toi. Aujourd'hui que tu n'es plus dans le mariage, personne ne te drague plus. Ce n'est pas la poisse. Tu peux m'aller te laver 100 fois. Ça ne va rien changer, ma chérie. Ça ne changera rien. D'accord? Donc, moi, je dis aux femmes d'aller travailler. Quel que soit ce que vous faites, travaillez et faites-le bien. Travaillez et faites-le bien. Oui, je suis contre la publication de la nudité de la femme. Ce n'est pas tolérable de publier une femme. Voilà pourquoi je dis aux femmes, arrêtez d'envoyer vos nudités. Arrêtez d'envoyer votre nudité. Personne ne peut être fier de voir sa nudité se balader. Personne ne peut être fier de ça. Parce que c'est la honte. Même si on ne le montre pas, même si on ne le dit pas. Attendez, hein. Ça dit que même si on ne le montre pas, même si on ne le dit pas, c'est une honte de voir sa nudité se balader. Non à la publication de la nudité. Non au sabotage Facebook. Non à l'écartement. Ouais, oh. Et qui m'envoie? Oh là là, je fais comment pour... Mouillette, je fais mouillette, non? Donc non à l'écartement. Arrêtez de vous... C'est pas en vous envoyant sa nudité à un inconnu qu'on trouve le mari. Non. Arrêtez. Ça fait très longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'on dit non à la publication de la nudité. Je l'ai dit il y a longtemps. Mais ça continue. Les gens continuent à publier. Aujourd'hui, les gens se lèvent pour écrire les longs discours sur la toile. C'est normal que vous écrivez vos longs discours. Quand NK a été publié ici, là, je n'ai pas vu, je vous ai pas vu tout écrire le discours là, hein. C'est aujourd'hui que vous dites non à la nudité et que vous combattez la nudité. Depuis que NK pleurait là-bas, moi je n'ai pas combattu NK par rapport... Non, je l'ai soutenu, hein. Pour ceux qui sont au courant, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais la première à dire stop aux gens qui combattaient NK. Moi, Fleur de Lille, je dis et je l'assume, j'étais la première à dire stop. Moi, sur YouTube, il n'y avait pas encore les directs. Les directs n'existaient pas encore. D'ailleurs, même c'est moi qui ai amené les directs dans le milieu camerounais, c'est moi. Parce qu'au départ, quand je faisais les directs, beaucoup de gens critiquaient. Oh, elle aime trop les directs. Pourquoi elle aime Facebook? Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook. Je dis non à la publication de la nudité. J'étais la première, je le dis depuis longtemps. C'est pas quand ça vous arrive que vous dites non. C'est bien beau de dire non à la publication de la nudité. C'est beau, hein? Il faut le dire, c'est pas tolérable. Mais, maman, si on m'envoie, je regarde comme tout le monde, hein? Je suis désolée. C'est à vous de faire attention que vos nudités se baladent. Puis si vous êtes avec un gars, essayez d'éteindre la lumière. Vous savez, quand tu te fais publier par ton mari, c'est moins douloureux que par un copain, par les dragueurs. Quand ton mari te publie, c'est moins douloureux parce que c'est ton mari qui t'a publié. Ce n'est pas bien, mais c'est moins douloureux qu'un inconnu, que quelqu'un que tu ne connais pas. Non à la nudité. Je condamne la publication de la nudité. Mais vous qui publiez les gens, quand pour vous arrive, attendez-vous que ça va être dehors. En tout cas, qui tue pas l'épée, mourra pas l'épée. Toi qui publies une personne en disant que ta part ne sortira jamais. Nous sommes toutes des femmes. Nous sommes toutes des femmes. Quand tu es amoureux, que l'amour, le ndolo est là. Tu fais l'amour avec ton mari, hein? Il peut te dire filme-toi. Tu te filmes sans réfléchir parce que c'est l'amour. Il y a des personnes qui vivent en Afrique, qui vivent ici, alors que leur femme est en Afrique, hein. Et le mariage, ça se passe très bien, sans problème. Ils vivent par relation à distance, par Snapchat, Messenger, l'autre là, on se caresse, on regarde la, WhatsApp. Il y a des gens qui vivent les relations à distance.
Alors, quand tu vis une relation à distance, que ton homme est peut-être un homme d'affaires qui est à l'étranger, quand tu envoies ta nudité, tu ne réfléchis pas qu'un jour ça peut finir. Quand l'amour est sucré, on ne sait jamais que ça peut finir. Parce que quand on est en couple, on se juge toujours que personne ne va jamais trahir l'autre. Oui, le diable est fort. Nous tous, on a déjà eu. La majorité des femmes qui tapent souvent leur bouche là, on a déjà eu à le faire. La majorité des femmes là. Surtout ceux qui sont en Bengla, parce que c'est facile les gens de Bengla de se branler, envoyer partout là. Oui. Au Cameroun, alors, en Afrique, alors, c'est grave. Les filles, alors, la nudité, n'en parlons plus. Vous ne voyez pas, j'ai condamné beaucoup. Vous ne voyez pas certains là qui font la mousse dans les maisons en carabote là. Tu vois bien dans les draps avec les filles sont consentantes. Vous ne parlez pas de ça, vous parlez d'un nom à la nudité parce que vous voulez viser Flore de Lis. Je n'ai jamais publié personne. D'accord? Moi, je vois aussi comme tout le monde parce que vous ne m'avez jamais envoyé vos nudités. Arrêtez de m'accuser dans des conneries. Je suis une ambassadrice. Je ne suis pas dans la saleté de la publication. On m'envoie, je regarde aussi. Hein. Je suis désolée. Un peu comme on m'envoie ma part, vous regardez. Je vous dis que j'ai publié vos nudités. Quand vous êtes parti faire l'amour avec vos copains, c'est à moi que vous aviez envoyé. Accusez les gens qui détiennent vos nudités. N'accusez pas ceux qui n'ont rien à voir dedans. Si tu restes, ça grime dans ton téléphone. C'est toi qui as demandé. Quand tu risques que la nudité de quelqu'un te retrouve dans ton WhatsApp là, est-ce que tu as demandé? Non, mais fichez la paix aux gens. Fichez la paix aux gens à un moment donné. Quand ça vous arrive, supportez-vous, mais vous buvez l'eau glacée, ça calme, ça vous restez tranquille. Quand la nudité d'une personne sort, en prenez-vous à la personne à qui vous avez partagé cette nudité. Ne vous en prenez pas aux téléspectateurs comme nous. Nous sommes les téléspectateurs. Non, je n'ai pas le temps de bloquer, pardon. Je n'ai pas le temps de bloquer parce que je n'ai pas envie de me perdre. C'est-à-dire, quand la nudité d'une personne sort, accusez les gens à qui vous avez remis votre nudité. N'accusez pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ces personnes ont à y voir? Quand tu étais dans la chambre en train de t'envoyer en l'air, est-ce que les gens des réseaux sociaux étaient là pour voir? Quand ta nudité sort, tu sais exactement qui l'a envoyé. Sauf si tu as envoyé à beaucoup de personnes. Il y a des personnes que leurs nudités sont sorties là sur Facebook. Ils savent exactement à qui. Vous avez accusé que moi, Aline Zomobem. Aline Zomobem, elle s'est envoyée en l'air avec un petit jeune sur Facebook qui vivait aux États-Unis. Un petit jeune garçon de 22 ans. Vous vous rendez compte? Ma paix est sortie, je savais, je sais que ma paix est sortie, je sais qui me l'a mise. Je suis désolée. J'ai des amis avec qui j'ai eu à partager ce genre de choses. Pendant qu'elle s'envoie en l'air avec son gars, elle me fait voir. Mais quand ça sort, assumez. Moi, j'ai toujours assumé que le jour que ma part sort, je ne veux pas m'inquiéter parce que je sais que ma part est dehors. Je ne suis jamais venue faire la sainte vierge en disant « Personne ne détient ma nudité. » Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Parce que quand je fais, je dis que j'ai fait. Où je dépasse mes détracteurs, c'est que moi, j'assume même avant que ça ne sorte. Je suis quelqu'un qui assume ses actes. C'est-à-dire, j'ai eu à partager des choses avec des gens. J'ai eu à partager des choses avec des gens. Tu vois une amie qui est en train de s'envoyer en l'air avec son copain. C'est ta pote. Elle a l'habitude d'appeler. Oh, ma copine, je suis en train de m'envoyer en l'air. S'il te plaît, regarde, je suis avec mon gars. Elle a vu la vidéo. Moi, je regarde, je perds quoi. Je suis couché. Je regarde, je perds quoi. Si une copine est en train de s'envoyer en l'air, elle lance la vidéo pour que je regarde. Est-ce que c'est moi qui m'envoie en l'air? C'est elle qui veut que je regarde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je regarde. Je regarde, je dis ma copine, bon appétit à toi. Est-ce que ça te plaît? Si ça te plaît, tant mieux. Il y a des personnes comme ça. Vous n'allez pas empêcher les gens de vivre leur fantasme. Hein? Vous n'allez pas empêcher les gens de vivre leur fantasme. Moi, j'ai fait des choses que j'ai partagées avec des gens. Ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Mais c'est malsain. C'est malsain que tu partages un truc avec ton ami. Demain, elle te balance ça sur les réseaux sociaux. Si vous avez pris, vous êtes prise la tête, la personne balance sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dit que j'étais sainte. Tout ça, j'ai fait tout ce genre. Tout ça. Faire l'amour sur WhatsApp, Imo, Messenger. Tout ça, j'ai fait. J'ai eu à faire ce genre de choses. Envoyer photo nue, je l'ai fait. Tout ce que je vous dis de ne pas faire, c'est parce que j'ai eu à faire avant et j'ai vu les conséquences. Mais je ne veux pas entrer dans vos portables pour vous empêcher de faire les selfies. Par jour, vous recevez combien de nudités? Combien de nudités des femmes vous recevez par jour? Combien de nudités de femmes vous recevez dans vos portables par jour? Moi, j'en reçois plein. Ça dit que je reçois plein de choses, plein de choses que je ne demande pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là.
Oh, les ministres, on filme. Les ambassadeurs, sur Facebook. Les footballeurs, les machins. Maintenant, si vous faites l'amour, essayez d'éteindre la lumière. Essayez de dire que pas de lumière. Vous n'allez pas empêcher les gens. Il y a les gens que ça les plaît de dire que regarde ma chatte, regarde mes seins, regarde comment tu me trouves. J'ai des amis qui se sont fait refaire les seins, elles m'envoient. Oh, regarde, je voulais que tu choisisses pour moi. J'ai des amis comme ça, j'ai des copines, elles me disent, s'il te plaît, je veux que tu me choisisses la taille de ma poitrine. Oh, tu sais, maintenant je m'épile avec telle crème épilatoire, je voulais te montrer la nouvelle crème. Regarde ce que ça m'a fait, ça m'épile très bien. Elle envoie, est-ce que je lui demande? Non, mais attendez, mettez-vous, essayons quand même de nous comprendre. Quand quelqu'un t'envoie la nudité là, est-ce que tu demandes? Tu restes, ça te trouve. Maintenant, si ça te trouve, bah... Tu enjoy, si c'est enjoyment, tu enjoy ça, si ça te plaît, tu enjoy. D'autres même, tu n'enjoy même pas, tu supprimes ça vite. Moi, les gens que je ne connais pas, je m'en fous. C'est quand je connais une personne qui dit que, ah bon, hein. Donc, c'est comme ça, hein? J'appelle aussi une de ces quotas. Vous dites que, il faut, quand tu reçois la nudité, n'appelle pas pour dire, nous tous, même vous qui dites que n'appelle pas pour dire, quand tu reçois la nudité de quelqu'un que tu connais, tu appelles toujours une autre personne que tu connais pour faire le commérage. Nous tous, on fait ça. Arrêtez les saintes vierges, ni touche ni quoi là. Quand tu reçois la nudité d'une personne que tu connais, tu appelles toujours une personne que tu connais. Allô? Tu sais, maman, tu as vu ce que j'ai vu là? Hey, comment la fille a fait ça? Maman s'est fait son dehors. C'est comme ça. Vous n'allez pas empêcher les gens de faire le commérage quand même. Hein? Vous allez empêcher les gens de faire les commérages? Vous n'allez pas empêcher les gens de faire les commérages. Les gens continueront à faire les commérages. Moi, si je reçois la nudité de quelqu'un que je connais, je ne peux pas effacer sans regarder. Je ne vous mens pas. Je ne vais pas venir ici là vous mentir que si on me dit que oui, voilà la nudité, par exemple, de, on va dire qui, quelqu'un que je connais, je vais même dire qui. Surtout que j'ai zappé tous mes amis, on va dire par exemple. Par exemple, je prends un exemple. Voilà la nudité de Mini Minor ou de Nivakim. Excusez-moi, je ne vais pas supprimer sans regarder. Je vais quand même regarder que, ouais, comment il a pu faire ça? Il a envoyé à qui? Attendez, ne me dites pas que je vais supprimer sans regarder. Et si c'est pour une fille, par exemple, qui me déteste, qui me combat sur la toile, je reçois la nudité d'une personne qui me combat sur... Je n'ai jamais publié les 14 sur la toile. Hein. Moi, je vous dis aujourd'hui, depuis, je n'ai jamais publié cette fille sur la toile. Ce sont des accusations injustes, mais j'assume qu'elles mettent sur moi. Je n'ai jamais publié cette fille sur la toile. Parce que cette photo, pour moi, ce n'était même pas un bon jazz pour publier. Le bon way, c'était la vidéo qui n'a pas été mise. C'était pas la même vidéo, même une photo, même que tu, qu'on a même retouché. Est-ce que c'est ça qui m'intéressait? Je n'ai jamais publié cette fille sur la toile. Je le dis aujourd'hui, je le jure devant Dieu. Je le jure sur Kalamongo, voici ça. Mais, sur WhatsApp, j'ai envoyé aux gens que je connais. Je vais pas mentir. Je jure sur Kalamongo, je n'ai jamais publié sur la toile. Je touche la tête de Kalamongo. Je touche le cerveau de Kalamongo. Je n'ai jamais publié cette fille sur la toile. J'ai reçu comme tout le monde. Et quand j'ai reçu, j'ai dit que, allô, tu as vu ce que j'ai vu là. J'ai aussi envoyé aux gens que je connais, que regarde aussi ce que je vois là. Parce que si c'est moi, vous allez faire pareil. Ne me dites pas que si c'est moi, vous n'allez pas faire parce que vous m'aimez trop. Même si vous me supportez, vous allez quand même dire que, maman, oh, elle a fait fort. Ouais, notre reine, mais vraiment, pourquoi les gens lui font les choses comme ça? Mais quand même, tu vas quand même aussi envoyer... Quelqu'un dit quoi? Quand même, tu vas quand même envoyer aussi à quelqu'un que tu n'as. Je n'ai jamais publié cette fille. Mais, j'ai quand même aussi envoyé à WhatsApp. Pas à tout le monde. Hein. Je voulais même mettre sur mon profil WhatsApp. J'ai mis ça 2 secondes. J'ai dit que, hé, hey, maman, je suis sur WhatsApp avec mon fils. J'ai encore enlevé. Je voulais mettre que sur WhatsApp, que photo de profil. J'ai mis ça, dit que, yeah, ma famille, elle me fait comment? J'ai encore enlevé vite. J'ai commencé à recevoir les messages de la famille. C'est quoi que tu mets comme ça? Va faire tes histoires sur Facebook. C'est qui ça? C'est qui ça? J'ai enlevé. Donc, et j'ai envoyé aux gens que je n'ai, que maman, voilà là, les cartes, ceux qui crient, qui, ouais, sur Facebook, là, j'ai aussi envoyé sur WhatsApp. Je n'ai jamais publié sur la toile. C'est un peu les pornos que vous recevez sur la toile là. Si tu reçois le porno de quelqu'un que tu connais, ce qui est sûr, tu vas envoyer aussi aux gens que tu connais. Quand c'est les blanches là, pourquoi vous ne parlez pas des blanches qu'on voit tous les jours? Une blanche qui tape son poitou comme ça. Elle tape comme ça. Elle tape comme ça. Pourquoi on n'avait pas dit l'autre là que non à la publication des vidéos des pornos des blanches? Pourquoi on n'avait pas dit ça? Parce que vous ne les connaissez pas. Il y a une vidéo sur WhatsApp où quelqu'un donnait le coup de poing. Oui, la personne donnait le coup de poing. Pourquoi on n'avait pas dit non à ça?
Parce que vous ne connaissez pas la personne, c'est quand tu connais que ça t'intéresse. Quelque chose que tu ne connais pas l'actrice, ça ne va même pas t'intéresser. Ça ne peut même rien te dire. Et puis, on n'en a rien à cirer. Vous n'avez qu'à éteindre la lumière quand vous faites l'amour. Ou bien vous n'avez qu'à arrêter de faire les conneries. Il y a des gens qui se publient eux-mêmes pour se faire voir, pour se faire connaître. Il y a des gens qui prennent leur nudité, mais ils mettent sur la toile pour accuser les gens. On vous connaît. Vous cherchez la Starmania, le genre que je ne gère plus les stars bracata. Je suis une ambassadrice. Je suis la fille de l'heure, celle que son étoile est en train de briller, de la Starmania. Vous allez parler de moi dans l'homme. Je ne vous clash plus. Parce que je vous pisse dessus. Maman, ça fait combien d'années qu'on me clash, on raconte les racontades. Regardez, je suis en train de parler là. Je peux enregistrer comme je suis en train de parler là maintenant. J'appuie sur WhatsApp. J'appuie sur WhatsApp. Hein. Je vais faire un truc comme si j'étais à côté. Hein. Je vais prendre un exemple. J'appuie sur WhatsApp. Non, je fais. Oui, je n'ai jamais publié la nudité et tout de cette fille. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Ce sont des prostituées. Ce sont des chiennes qui me cherchent. Je suis une ambassadrice. Je ne gère plus le bracata. Je ne gère plus le wayo-wayo. Je ne gère plus les histoires que la nudité a fait. Que je ne suis pas une personne. Moi-même, je suis une femme. Si vous voulez, je mets le miroir. Je me branle avec ma propre chatte. Je n'ai pas besoin de prendre les nudités des gens. Tac. N'est-ce pas, voici le voice. Je suis en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur Facebook, ils enregistrent mes voix, ils font comme si. Voilà, ça, je viens de parler. Écoutez. Oui, je n'ai jamais publié la nudité et tout de cette fille. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Ce sont des prostituées. Ce sont des chiens qui me cherchent. Je suis une ambassadrice. Je ne gère plus le bracata. Je ne gère plus le wayo-wayo. Je ne gère plus les histoires que la nudité a fait. Que je ne suis pas une personne. Moi-même, je suis une femme. Si vous voulez, je mets le miroir, je me branle avec ma propre chatte. Je n'ai pas besoin de prendre les nudités des gens. Ok, je viens de parler sur Facebook. Donc, il y a les gens qui, hein, ils sont sur Facebook pour chercher à même lui. Je ne vous gère plus. Ils viennent sur mes vidéos, comme je suis en train de parler. Ils mettent le voice. Ils enregistrent pendant que je parle. Après, ils font genre comme si c'est que c'est un secret. Non. Arrêtez de venir enregistrer mes vidéos pour rendre ça en voice. Pour publier. Non, je vous jure, c'est vrai. Ça, c'est WhatsApp, non? Je peux mettre là. Attendez. Attendez. Je fais comme si je prenais le voice. Je connais. Ouais, je vous dis que oh, les gens sont... L'homme noir, c'est le diable. Attendez, je mets un truc. Je parle à la jeunesse. Voilà, je demande à la jeunesse africaine d'aller à l'école, à la jeunesse tout court d'aller à l'école, parce que l'école, c'est la première chose dans la vie. S'instruire, c'est quelque chose de bien. Si nous autres, nous ne sommes pas là à l'école, c'est parce qu'on n'a pas eu les moyens, on n'a pas eu les gens autour de nous pour nous pousser à le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, on se pavane, on ne sait même pas quoi faire pour dire le, on dit là, pour dire le, on dit là, pour parler, on ne sait même pas comment placer même la conjugaison. On dit, je ne boirerai pas, je ne mangerai pas, ma sève ne mangera point. Parce que nous-mêmes, n'est-ce pas, vient de parler. Je ne sais rien de parler. Voici ça. Voilà, je demande à la jeunesse africaine d'aller à l'école, à la jeunesse tout court d'aller à l'école, parce que l'école, c'est la première chose dans la vie. S'instruire, c'est quelque chose de bien. Si nous autres, nous ne sommes pas là à l'école, c'est parce qu'on n'a pas eu les moyens, on n'a pas eu les gens autour de nous pour nous pousser à le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, on se pavane, on ne sait même pas quoi faire pour dire le, on dit là, pour dire le, on dit là, pour parler, on ne sait même pas comment placer même la conjugaison. On dit, je ne boirerai pas, je ne mangerai pas. Bon, en fait, c'est pour vous dire que les gens sont tellement... ils fantasment tellement sur moi que mes détracteurs, j'ai compris, mes détracteurs fantasment sur moi. Donc, quand les gens vous publient les choses, ils disent que c'est les voix secrètes. Parfois, on vient écouter ma voix sur ma propre vidéo. Je vous dis la vérité, les gens sont malsains. Et fait comme si c'était un secret, ils viennent écouter ma vidéo, ils rendent ça en voice. Le genre que tu te mets à côté de Flore de Lis qui parle, tu appuies le voice. Tu appuies le voice. Ça enregistre, tu balances, tu dis que Flore de Lis a dit qu'alors que tu es venu que sur la même vidéo de Flore de Lis. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les groupes WhatsApp et je n'entrerai jamais. Le seul groupe WhatsApp dans ma famille et ma tontine à Lille, le reste c'est le vrac. Je n'ai pas la place dans mon téléphone, moi, mais moi, pour recevoir les trucs à deux balles. Donc, hein, vous allez chercher à menuiser, ce serait tout nomba ou non. Je ne gère pas votre sabotage.
Il y a eu pire chez Joël Brun, sur la page de Joël Brun. Il y a eu pire. Donc, je ne vois pas ce qui peut encore me choquer aujourd'hui, mais ça me laisse à 37. Vous allez me... Continuez, vous les filles, là, vous vous branlez sur ma poitrine, sur ma bouche. Vous me regardez, vous me branlez parce que je suis une belle fille. Belle fille chic, classe, élégante. Vous comprenez? Qui pèse ces mots? Je ne chante pas ça tous les jours. Je suis une fille élégante, classe, chic. Je ne suis pas le dans le yamayama là. Regardez comment la femme habillée le 8 mars. Regardez ma tenue. Regardez ma tenue. Non, regardez ma tenue le 8 mars. Attendez, je vais prendre un truc dans la chambre. Regardez ma tenue. Regardez la femme le 8 mars. Regardez la femme africaine le 8 mars. Regardez la tenue d'une femme responsable. Couvert partout. Couvert partout. Jupe avec fente. Regardez. Regardez. Pas les histoires que... Pardon, j'enlève même mes chaussures. Pas les histoires que les gens, ils prennent le pain, ils attachent. C'est même... J'ai même quoi ici là-dedans? J'ai lancé la lessive. Pas les histoires, les francs. Le bras, le bras. Après, les gens prennent, ils attachent au rein. Maman, je ne suis pas comme cette fille-là. Regardez la femme habillée le 8 mars. Je ne suis pas comme cette fille-là qui demande les bouts de pain pour attacher. Cette pain coûte 30 euros. Chaque femme africaine, surtout camerounaise, doit avoir ce pain. Vous avez compris, c'est la veuve joyeuse qui m'a offert ce pain. Et je remercie la veuve joyeuse. C'est elle qui m'a offert ce pain. Pas les pains, le bout de pain. Attacher le bout de pain comme ça. Le bout de pain comme si c'était le deuil. Non, maman, regarde la classe. Regarde comment je suis chic. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Tu vas pleurer, ma samaï. Tu vas rouler pour moi toute ta vie. À nom du repos, je voulais seulement te dire que ma chère, je serai bel et bien le 31 mars à Paris chez Céline la doyenne, la nuit. Et je serai chic et classe, chicote, 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 chicotée à l'infini. Je dis que je serai chicote, 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 chicotée à l'infini. Ne dites pas que je n'ai pas lavé mon pain que j'ai porté l'autre jour. Le pain, ça ne se lave pas comme ça. Le pain, ça se sèche. Le pain, parce que ce sont les pains wassa wassa, ce n'est pas le wax. Donc, ça ne se lave pas. Le pain s'entretient. On peut porter un pain, même 5 ans sans le laver. Vous comprenez? Donc, je serai bel et bien chez Céline Lavé, le 31, assise comme ça, comme une princesse. Habillée, chicote, chicote, chicotée. Avant ça, Jérôme d'abord samedi, ce soir même, je serai dehors comme ça peut-être chez Eloge. Ou bien je vais faire le tout chez Eloge. Je serai comme ça. Même si je la vie si 10 fois, ça fait quoi? C'est la vie du 8 mars. Je serai chez Eloge. Je vais danser. Après ça, je pars au Biblos. Je vais faire le tout ici dehors. Comme j'ai porté mon pain, c'est pour faire la vidéo. Après, j'enlève. Je sèche ça là sur le sèche-linge. Le soir, je passe un peu le fer, je repasse, je mets le parfum sur ça. Ou bien le dos, je mets le parfum sur ça. Je serai dehors, la chicote, chicote, chicotée, des aigris, la chicote des jaloux. Donc, hein, pardon mes fans, ne gérez plus le vrac-vrac là. Donc, comme je disais, la femme africaine, non à la publication de la nudité, non à l'exposition de la poitrine sur Facebook. Mais la façon que je suis habillée, c'est pas choquant, c'est mon modèle. C'est pas que je montre mes seins, je suis sexy et classe et chic, s'il vous plaît. Ne confondez pas la vulgarité et être sexy. Je suis sexy et classe. Je ne suis pas vulgaire. C'est mon modèle. J'ai les seins debout. C'est normal si je porte pas le soutien-gorge et que ça ne tombe pas. Où est le problème? Je porte et je l'assume. Donc, non à la publication de la nudité. Non à l'écartement. Non à l'écartement. Non comment on appelle là? Les femmes qui sortent avec les jeunes garçons, là, ça s'appelle comment? Le bon français, le français, on les appelle que comment? Les cougars. Non aux cougars. Non aux cougars. Non aux cougars. Non au tirage d'un coup. Au tirage. Non à la femme africaine, le tirage filmage d'un coup. Non à ça. D'un coup, il y a des choses que vous devez faire en éteignant vos portables. Quand on s'assoit pour dire qu'on s'en va faire la fête, on se tape les traces.
les tracés. Non à ça. Non à ça. Où est le plat? Attendez, j'arrive. Non à ça. Je cherche ma... Non à ça. Non à ça. Non à ça. Je cherche une carte. Non à ça. Non à ça. Je vais vous montrer les filles. Non à ça. 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 Hé, hey, maman, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Vous allez venir laver chez moi. Vous avez vu? Non à ça. Non à la femme. Non à la femme africaine qui fait ça. Non à ça. Non à ça. Non à la femme africaine qui s'expose. On ne s'expose pas avec ça. Non à ça. Non aux gens qui filment ça. Non à ça. Non à ça. Non à... au fumage du départ. Non à ça. Vous avez compris, non? Condamnons ce qui peut tuer. Condamnons ce qui peut tuer. Condamnons ce qui est le poison. Ça, c'est le poison. Non à ça. Non à ça. Non à ça. Non, je refuse. Non à ça. Non au tirage d'une départ. Comme ça, non. Comme ça. Parce que quand un grain tombe, c'est-à-dire que les gens là tombent sur ça, on dirait que... Tu... Non à ça. Non à l'exposition de la prostitution. Parce que la prostitution n'est pas... un métier en être fier, mais c'est un métier légal en Europe. Ce n'est pas un métier digne, je ne condamne pas, mais faites-le en cachette. Non à la prostitution. Non à la prostitution de... Non à l'exposition de la prostitution. Mais chacun est libre d'aller faire ce qu'il veut. Allô? Ah, tu avais maman. Ok, attends un peu. Oui, tu lui as donné l'argent là. Elle a donné 100 000 aux gens là. Tu dis que c'est ma participation pour le deuil. Elle a donné 100 000. Tu dis qu'elle peut passer la nourriture avec 100 000. Et elle garde 120 000. Attends. Pardon, excusez-moi. Pardon. Je vais Kalamongo, vous restez avec Kalamongo. Pardon, attendez, j'appelle ma mère. Elle est partie au deuil, pardon. Les femmes bamiétaient le deuil. Hush! Pardon, on m'appelle tous les jours que vient donner l'argent, je dis. Allô? Oui, ma? Ma? Oh, oh. Ils n'ont jamais le crédit, oh, vraiment. Jamais le crédit. Maintenant, alors, je vais prendre la recharge pour là. Allô? Allô, Mao? Monsieur le Maha? Oh, moi, c'est ma belle intitule, non? Belle intitule, non? Ok, vous y êtes comme c'est pas mal sur l'angle de la participation et vous non. Ok, ma. Bon, mais ça ou non? Ou tu dis, ou tu. Ou y est 100 000, que mon y est 100 000, mais il y a 50 000. Que le genre que c'est toi qui donne, tu donnes d'abord 100 000 que c'est ma participation et tu enlèves encore 50 000, tu donnes comme si c'est toi qui donnais. Ma mère est pour 170 000. Bonjour, non? Ngan 170 000. Mais il y a 170 000 pour. Bon, 170 000, mais oui, ou il y a 100 000, non? Ngan la participation, mais il y a. Bon, si mon cap c'est 150 000, ou il faut. Ou là, tu non? Parce que mon cap. Parce que mon cap est deux fois, mon cap est 150 000. Mon père. Moi, je veux 150 000, vous voyez 300 000 au moins. Mais est-ce... Oui, mais tu
150, 170 000, non. Maintenant, il y avait encore une autre 150 000 que je t'ai donné le code hier, non. Ok, vous partez chercher les 150 000 là, tu lui donnes un mètre dans sa poche. Maintenant, les autres 100, je t'avais envoyé 200 000 hier. Je t'ai dit que tu prends 30 000 pour toi, non. Maintenant, tu donnes 70 000 à la mère, tu lui donnes 170 000, tu dis que 100 000, elle donne aux gens qui ont deuil. Elle a déjà donné, maintenant, elle va prendre les autres 150 000 là. Elle prépare la nourriture parce qu'elle sait qu'il y a les voisins qui vont venir manger aussi là-bas. Ah. Ok, d'accord, ok, ça marche. Tu embrasses la mère, Ikimbo. Oui, tu dis que quand j'aurai l'argent, je vais lui donner. Hush! Et ma tête du pays là, c'est comme ça, non, maman? Pardon. Excusez-moi, pardon. Vous connaissez même les noms maintenant au pays. Vous connaissez, il y a trop les deuils au pays. Les gens meurent trop. Donc, comme je disais là, que non à l'exposition de la prostitution. Parce que la prostitution n'a jamais été un métier en être fier, mais c'est un métier légal en Europe. C'est pour vous là-bas, c'est un métier légal, les gens payent les impôts. Donc arrêtez de vous mettre la vente de la drogue, dites aussi non à la fémania, non aux escrocs, ceux qui tuent les enfants. Parlez de ce qui est important, non à ceux qui tuent les enfants en Afrique là. Venez combattre les vraies choses à combattre. Non. Venez combattre ce qu'il faut combattre. Non à la fémania. Voilà donc Yami, non. Non au crime rituel. Non au crime rituel. Parce que les crimes rituels, non au crime rituel, non au crime rituel. Venez combattre ce qui est combattable. Arrêtez de combattre la prostitution. Si quelqu'un veut, il vend ses fesses. Si quelqu'un veut vendre ses fesses, il vend ses fesses, c'est son problème. Combattons le crime rituel. Si quelqu'un veut même fumer, même le manga, sa drogue, il fume sa drogue. C'est vous qui donnez l'argent à quelqu'un pour fumer son départ. Vous connaissez combien coûte un gramme de cocaïne? C'est 80 euros. Un gramme. Il y a les gens qui consomment 3 grammes tous les jours. C'est beaucoup d'argent. Occupez-vous de ce qui est important. Vous avez compris? Occupez-vous de ce qui est important. Si quelqu'un porte son sang pour aller vendre son piment, ça vous regarde où? C'est en parlant ça qu'on ne va plus vendre. Maman, on va sauf que continuer à vendre. Vendez, mais avec préservatif. Non, la contamination du VIH. Non à la contamination du VIH. Aux gens qui sont malades, ils contaminent les autres esprits. Non à ça. Protégeons-nous. Protégeons-nous. Arrêtons de contaminer les gens du VIH. VIH-Sida. Vous avez compris, non? Non à l'infidélité. Non à l'écartement. Non à la pisse. Non aux femmes qui pissent sur eux. Vous ne pouvez pas me dire qu'une femme peut boire jusqu'à ce qu'elle pisse. Jusqu'à ce qu'elle commence à pisser un jar. Hein? Vous n'allez pas me dire qu'une femme qui boit, elle commence à pisser sur elle. Vous trouvez ça normal? Maman, j'ai cassé mon verre en cristal. Ouais, c'est combien de verre qui s'est cassé là? Purée, non, arrêtez un peu. Deux verres en même temps. Sorcellerie. La sorcellerie vous a même fait quoi? Vous venez casser mes verres? Non! Parlons de ce qui est, combattons ce qui est combattable. Non à la divulgation des maladies. Arrêtons de contaminer les gens qu'on sait qu'on est malade. Protégeons-nous pour protéger les autres. Protégeons-nous. Quand on est malade, on se protège pour protéger son compagnon. Ne contaminons pas exprès. Vous devez faire vos tests VIH tous les 3 mois. Bon, si tu as eu une relation quand même, parce que si tu n'as rien eu comme moi, que depuis, je n'ai pas Mbinda là. Il y a même déjà la rouille sur ça. Si tu n'as pas Mbinda comme moi, que depuis zéro Mbinda, tu vas maintenant aller faire le test de quoi. Mais quand même, tu fais pour montrer à ton compagnon que, machin, tu comprends, non? Non à ça, combattons ce qui est combattable.
Arrêtons de faire comme si... Non, il faut combattre Fleur de Lys. Au lieu d'écrire les longs discours, le gros français, parce que vous étiez trop à l'école, vous venez écrire que oh, la nudité, à la nudité. Non, quand on comprime sa nudité, c'est la personne même qui a envoyé sa nudité. Vous voulez qu'on fasse quoi? Quelqu'un qu'on pue, c'est lui-même qui a envoyé. Non au crime rituel. Non à la prostitution depuis l'âge de 12 ans. Non aux mineurs qui se prostituent à quoi? À Douala, à quoi? À village. Non à la prostitution des enfants. On doit dire non à ça. N'importe quoi. On n'a pas vu. Quand ça arrive à Fleur de Lys, maman, venez même sang. Faites même l'équipe de fou pour me combattre. Je vous gagnerai toujours. Aller et retour. Vous avez compris, non? Je vais toujours vous gagner aller et retour. Bande de sapacs. Vous voyez une ambassadrice comme moi, que je n'ai que ça à faire. Je vais publier la nudité des gens que moi je n'ai que ça à faire. Moi-même, je ne suis pas une femme. Imbécile, pleurez, vous laissez dans votre cœur. Bande de sapacs. Oh, les gens, c'est qu'ils aiment trop ça. Qui m'appelle encore là? Ah, pardon, excusez-moi, dis donc. Donc, je serai bien à la nuit de la doyenne. Je serai bien là-bas, correctement et bien assise même. Vous avez compris? N'importe quoi, bande d'hypocrites. Je parle là-bas que je n'ai rien fait. Mais, wow, 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 c'est toujours le nom de Fleur de Lys. Mais vous n'avez rien vu encore. Vous avez voulu que ça échoue, ça n'a pas échoué, ça a bien donné au Canada même. Propre. Ça a bien donné même. Vous avez compris, non? Elle dit que ça a bien, bien donné. Ça a bien donné même, proprement, proprement donné. Ça a bien donné au Canada. Ça a très bien donné. Vous avez compris? Ça a bien donné. Vous avez cru que ça n'allait pas donner. Ça a bien même donné. Ah, le balai, si. Ah. Ça a bien donné au Canada. Ma Begalati arrive. La PDG canadienne sera à Paris pour soutenir Jaguar. Charlie Jaguar. Donc elle arrive du Canada là. Elle sera là aujourd'hui. Pour la soirée de Charlie Jaguar. Oui, oui. Oui, oui. Les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Vous avez compris? Les jaloux ont maigri. Non. Vous parlez Fleur de Lys, Fleur de Lys. Maman, excusez-moi de nettoyer devant vous. Ce n'est pas pour vous montrer que je suis propre. Mais c'est que je ne veux pas marcher sur les bouteilles. Je ne veux pas marcher sur un truc. Voilà. Donc, allez combattre ce qui est combattable. Laissez-nous le vrac. Laissez-nous le mbrakata. Laissez-nous le wassa-kwassa que vous parlez là. Vous avez compris, c'est le vinaigre que j'ai mis parce que comme le vin, c'est le vinaigre que j'ai un peu mis. Voilà. N'importe quoi. Vous n'avez rien à faire. Donc, voilà. Maman, quand vous dites que vous les femmes, là, vous voyez, si on fait la vidéo, j'ai cassé quelque chose, j'ai enlevé. Pas comme vous que vous êtes là. Vous les femmes qui regardez Facebook là. Vous êtes que, comme c'est déjà tombé là, vous allez laisser jusqu'à votre mari va rentrer trouver ça. Voilà, c'est sûr, devant vous, j'ai nettoyé. Ça m'a enlevé quoi? Hein? Je me sers l'autre, je bois. Donc, Calamongo n'était pas content que... Ouais. Comme je disais, que non... Donc, ce sont les personnes qui m'admirent. Toutes ces filles qui parlent de moi, c'est parce qu'ils m'admirent. C'est-à-dire qu'elles rêvent tellement de moi qu'elles n'ont plus rien à faire. Elles sont tellement les esclaves de la reine. Mais parce que moi, je suis quelqu'un qui laisse la cicatrice inguérissable. Je laisse la blessure inguérissable. C'est un don de Dieu. Quand tu t'attaques à moi, quand tu dors la nuit, tu me vois dans tous tes rêves. Santé à vous, bonne fête aux femmes. Bonne fête aux femmes battantes du monde, à toutes ces femmes qui se battent. Bonne fête à ma mère,
Maman Anna, qui a cultivé le champ comme ça, vendu au marché pour nous nourrir, pour nous élever jusqu'à aujourd'hui. Bonne fête à ma mère. Bonne fête à ma mère qui est activiste parce qu'elle prend l'exemple sur ma mère. C'est pour ça que je peux vivre partout. Bonne fête à ma mère, à ma tante à Yaoundé Mapo. Activiste, c'est-à-dire que je prends l'exemple pas loin sur ma mère, sur mes tantes. C'est pour ça que je peux vivre partout. Si j'arrive, sur quelqu'un de humble, si j'arrive pas qu'on dort par terre, je me couche par terre, je dors comme tout le monde. Je ne suis pas dans le vrac-vrac. Ouais, c'est pas possible. Donc je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dans ça. Je ne gère pas. Je ne réponds plus au clash. Je ne réponds plus au clash de mes adversaires. Parce qu'elles ne seront jamais moi. On me mettra à l'honneur dans tous les pays où j'irai parce que c'est le don de Dieu. Maintenant, je vais passer au big up. Je passe un big up aux femmes exemplaires. Je passe un big up à toutes les femmes de la team pédagogique, toutes les femmes du monde entier qui me regardent en ce moment. Je vous fais un big up. Je vous souhaite d'abord bonne fête. Je souhaite d'abord bonne fête à toutes les femmes de la team pédagogique. Toutes les femmes qui me regardent, je vous souhaite une très très belle fête, une bonne fête. Buvez quand vous voulez. Saoulez quand vous voulez, mais faites attention quand même. Faites quand même attention. Bonne fête à ma mère. Bonne fête à toutes mes mamans. Toutes les mamans, toutes mes mamans du monde entier. Bonne fête à Tata Doudou. Bonne fête à la PDG canadienne. Oui. Bonne fête à la seule unique PDG canadienne, toujours combattue, jamais abattue. La brave dame Nathalie Babalé. Bonne fête à elle, brave dame. Bonne fête à Tata Doudou. Bonne fête à Tata Doudou Ngamba. La seule unique qui vend les Musunga, qui fait la mamie du Musunga à 100 euros, maman. Qui donne les Musunga à la team. 100 euros, maman. 100 euros seulement. 100 euros seulement. Tata Doudou te prépare la mamie du Musunga. Elle attache, elle lave bien. Femme propre. Femme qui sait cuisiner. Pas les femmes qu'elle prépare le Musunga avec l'eau du Musunga. Non. Femme propre. Big up à la femme propre. À Tata Doudou. Big up à la mère de Tata Doudou. Bonne fête à la maman de Tata Doudou. Oui. Parce qu'elle a accouché. Une famille soudée. Madame Ngamba, mère. Bonne fête à elle. Bonne fête à Majo. Bonne fête à toutes les femmes de la famille Ngamba. Bonne fête à la. Bonne fête à la reine galloise. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Donc, je souhaite bonne fête aux femmes de la team. Bonne fête à la reine galloise, la seule qui danse le Mujumba. La seule qui valorise le dé. Parce que les autres qui disent qu'ils sont du dé, là, ils n'ont jamais. Ça dit qu'ils ne parlent pas du dé. Ceux qui disent qu'ils sont du dé, c'est quand ça les arrange. Sinon, demain, tu entends, je suis crivienne. Demain, les gens qui fuient leur village, maman. Les gens qui fuient leur village. Bonne fête. Tu ne seras jamais crivienne, maman. Tu es Bamileke. Oui, ça c'est la honte des Bamileke. Parce que la façon que je suis fière d'être Bam, c'est d'être Tchang. Hein. Je n'aime même pas qu'on dit que Flo est Baganté, Flo est ceci, Flo est Bassa. Je suis Tchang. 100% mais noir. Big up à la main noire. Eh oui. Big up à la reine galloise. Bonne fête à toi, la reine galloise. Oui, la seule qui valorise le dé. Elle parle son patois comme ça en direct. Elle n'a pas honte. Elle parle. Tchachumba, joyeuse fête à vous tous. Oui, à toutes les femmes du monde. Voilà, donc je vais devoir peut-être vous laisser. Bonne fête à Japap Kamdem. Bonne fête à vous tous. Envoyez-moi les cœurs. Bonne fête à vous tous. Bonne fête à la seule milliardaire Joséphine Bayon. Pas le bébé. Quand vous allez parler, vous allez vociférer. Elle sera là. Bonne fête à Nomba Uno. Joséphine Bayon. Eh oui. Bonne fête à la chicotée à l'infini des jaloux. Souverain de Brignac. Bonne fête à toi. Bonne fête. Maintenant, s'il faut entrer pour citer les noms. Waouh, je vais laisser les. Oh là là. Je vais laisser. Oh là là, je vais.
Bonne fête à tout le monde. Bonne fête. Il y a les gens que je ne peux pas citer aussi leur nom. Hein. Bonne fête à vous tous. Hein. Voilà, si j'ai oublié quelqu'un, dites-moi. Joyeuse fête à tout le monde. Oh, la première dame. Oh là là, non, c'est pas possible. J'ai envie de... Non, bonne fête à la première dame. Bonne fête à Jaguan Vondo. Bonne fête à ma... À... Vélin Rapide de Mokoyonam Pian. Bonne fête à Star Maison. Voilà, bonne fête à Star Maison. Bonne fête à... bonne fête... oh. Bonne fête à notre soeur indienne, Vanessa Pan. Bonne fête à Madame Pan, Vanessa Pan. Bonne fête à Vélin Rapide de Mokoyonam Pian. Bonne fête à Prisca Biolo. Bonne fête à Chantal Bia, Maman Chantal, bonne fête à Maman Chantal. Si j'étais au Cameroun, j'allais venir te saluer pour la fête du 8 mars. Bonne fête à Maman Chantal. Bonne fête à la veuve joyeuse. Bonne fête à Momo Denise, notre seule et unique. Bonne fête à... Quelqu'un dit que bonne fête. Ok, bonne fête, Jessie Yao. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Bonne fête à vous tous. Hein. Bonne fête à Momo Denise depuis la Suisse. Bonne fête à mon tonton Tata, la baronne de Suisse. Bonne fête à mon seul tonton, baronne de Suisse. Bonne fête à tonton Charlie Cigar. Oui, voilà. Donc, bonne fête à tout le monde. Je vous aime. Le wifi là me sauve bien, ça veut dire quoi? Bonne fête à Lolo Beauté, bonne fête à Lolo Beauté, la go tranquillement, tranquille. Bonne fête à Poil de Carotte, bonne fête à Ndema, Ndema Wayo Wayo, bonne fête à tous mes détracteurs, bonne fête, je cite mes détracteurs. Bonne fête! Bonne fête à Madra, bonne fête à Madratologue, bonne fête à Ndema Chose, bonne fête à l'écarteuse de la nation, bonne fête à l'engringalette de la nation, bonne fête à Virus Lydia, voilà, bonne fête à toi, bonne fête à Maman Béa, bonne fête à Maman Béatrice Yopa, eh ma mère, ouais, bonne fête à la mère du Janssen, la soeur qui vend le Janssen. Bonne fête à Georgette Eto. N'oubliez pas l'anniversaire de Samuel Eto, c'est ce samedi. Il est né le 10. Samuel Eto est né le 10, oh, le 10 mars. N'oubliez pas. Bonne fête à Georgette Eto. Bonne fête à NK. Bonne fête à Blue Lopez, la star Blue Lopez. Bonne fête à Cathy FMI. Oui, bonne fête à Cathy FMI. Bonne fête à Madratologue avec sa bande de, de chientologues. Oui, bonne fête à... Ndema qui, Ndema Wayo Wayo. Bonne fête à Marie, quoi. Pardon. Bonne fête à tous mes détracteurs. Il y a encore eu qui dans la liste. Ah, bonne fête à la diva. Diva Makosa. Non, diva. Jaguar a appris un peu à danser là. Jaguar a un peu appris à. Diva. Diva Poisson Braisé. Bonne fête à Diva Poisson Braisé. Miondo. Diva Poisson Braisé. Mwendo. Diva mangeuse de tarot avec la fourchette. Bonne fête, Diva mangeuse de tarot avec la fourchette. Diva des canettes de bière. Diva. 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 Vin de palme. Voilà quoi. Bonne fête à la Diva de Miondo. Diva. Diva. Despé. La Despé. Diva Despé. Diva 1664. Diva vin mousseux, diva muscado, diva tous les vins moins chers là. Oui, donc bonne fête à elle, bonne fête aux soeurs Sani, bonne fête à Grace Descartes, bonne fête à Chantal Aïssi, bonne fête à Maman Catino, bonne fête à Trésor Béa, la Trésor Béa, celle qui a le bas, vous tapez le bas à perruque. Diva, oui, bonne fête à Maman Ministre des Noyaux. Bonne fête à Coco Emilia, j'ai déjà cité. Ah, bonne fête à Miliade Mbrakatos. Oui, bonne fête, Diva Mbrakata. Oui, Diva de Miliade de rêve.
Bonne fête à Lady Ponce. Ben Diva, elle a appris à danser, vous n'avez pas vu, le 31 mars. Elle est en train de s'entraîner parce qu'elle sait que si on me met avec elle, danse plus que elle. Le 31 mars, vous avez confirmé le code. Comme ça. Bonne fête à Angel Kenney Production. Bonne fête à Mimi Carole Kamga. Mimi Carole, merci à toi, mon bébé. Merci, merci, merci. Bonne fête à toi. Bonne fête à qui? Katino, maman Katino. Bonne fête à Choppeuse de. Oh là là, qui chante que le Tot? Mince. Bonne fête à Margazon, Aline, Tata Aline. Bonne fête à toi, Tata Aline, Zomo Chose. Zomo machin. Bonne fête à toi, Tata Aline, Zomo raciste, Zomo tribaliste, Zomo insulteuse, Zomo. Donc. Zomo machin quoi, bonne fête à toi, bonne fête à Tata, bonne fête à Yvette Gomatip, ma belle soeur, hein, voilà, il est même Gwes Magnon Gandak, voilà quoi, bonne fête à Manke, les beautés chéries, Manke, Mireille Bellissima, bonne fête à toi, bonne fête à Marve Galactique, oui, j'ai déjà cité bien sûr, bonne fête à ma coiffeuse, bonne fête. Bonne fête à toi, mais merci Gaston, ma chiffon. Bonne fête à ta femme. Bonne fête à Mimi Carole Kamga, celle qui vend les sacs, les bonnes choses. Bonne fête à Amazon. Voilà, bonne fête à Amazon. Bonne fête à qui encore, citons. Mani Bella, oui, bonne fête Mani Bella qui va faire fort. Je crois que c'est demain ou aujourd'hui. Ouais, demain. Bonne fête à Patricia Ngoma. Patricia Ngoma type. Non, Patricia Matip. Ouais, bonne fête, tu me dis bonne fête extravagance, si ça t'arrange, oui, bonne fête à elle, oui. Bonne fête à Daphné, bonne fête à Liberté la Sensuelle, bonne fête à... Ne m'écrivez pas les noms du village, pardon, moi je ne peux pas lire les noms du village. Vous avez la chance que ma connexion c'est Bouygues. C'est Bouygues Télécom, hein, c'est la connexion, c'est Bouygues. Bonne fête à Sango, Sango c'est qui? Songo. Songo c'est qui? Bonne fête Patrick. Mais Vanessa Pan, envoyez les bonnes fêtes à qui? Bonne fête mes copines, bonne fête à tes copines Judas. Ça c'est Demanou, hein. Bonne fête à toi Demanou l'artiste. On met un peu la chanson de Demanou ou pas? Bonne fête à Lily Pulson, bonne fête à la mère de Junior Mobitan. Bonne fête aux femmes capables de Lille. Bonne fête à toutes les femmes capables, je vais citer leur nom, hein. Je pars dans le groupe WhatsApp de La Réunion, je cite tout. Voilà, bonne fête aux femmes capables, à toutes les Gabonaises dans la tontine. Attendez, je vais citer leur nom. Bonne fête à Denise, la femme de Bobo. Bonne fête à Chonelas, non, la femme de Ampi Chonelas, c'est London Chonelas. Bonne fête, attendez, je entre dans le groupe de le groupe WhatsApp de la tontine. Tac tac tac. Donc bonne fête à vous tous. Donc bonne fête à toutes les Madame Kameni, voilà, bonne fête à Madame Kameni. Bonne fête, attendez, je vais dans la tontine. Bonne fête à Lanfil. Bonne fête à Lanfil. Bonne fête à tous ceux qui m'envoient. NS Italie. Bonne fête, non, ça, c'est Jean Cancan. Bonne fête à Tata Lily. Tata Lily à Lille. Bonne fête à Doudou. Bonne fête Agnès Avignon. Bonne fête à Nadine en Suisse. Elle est à Dubaï en ce moment. Bonne fête à toi, Nadine. Nadine Brooke, qui est en Suisse en ce moment. Bonne fête à tout mon répertoire, hein. Bonne fête à tout mon répertoire. Estelle Gabon, bonne fête à toi. Bonne fête Tatiana Poupée en Angleterre. Tatiana, Tati. Bonne fête à toi, bébé Poupée Tati. Bonne fête à Solange de Paris, Soso. Bonne fête. Choupi m'envoie le message. Bonne fête, maman. Bonne fête, Choupi. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Livakine m'a souhaité bonne fête, merci. Bonne fête à Suzy Lamour. Bonne fête, Adeline. Bonne fête à Tatama, bonne fête à la femme de... Bonne fête à Sandrine, bonne fête à Aude de Paris, bonne fête à Colette, Toronto, bonne fête à toi ma soeur, bonne fête à Nathalie Babalé, bonne fête à Elodie Beauté 2017, bonne fête à Séraphine,
Bonne fête à Séraphine. Tu te reconnais. Bonne fête à Afi en Allemagne. Bonne fête à Petit Modèle. Bonne fête à Liberté. Bonne et Liberté. Bonne fête à Amber Rose. Bonne fête à Jaguar. Merci. Bonne fête à Jaguar. Bonne fête à SD Madi. Bonne fête. Bonne fête à Janaba Ali. Bonne fête Janaba. Bonne fête à Nana aux États-Unis. Bonne fête à Kiki. Hein? Bonne fête à tous les fans du Canada. Bonne fête à Denis Yaro. Bonne fête à Tania Shop. Bonne fête à Kitcho Georgette. Bonne fête à Virus. Bonne fête à Passy. Voilà la femme de Ndema System. Bonne fête à toi. John Kemp, Espagne. T'es pas une femme. Bonne fête à Yvette en Suisse, ma soeur. Bonne fête. Ça, c'est la dame. Bonne fête à Momo Denise. Bonne fête à Loulou. Bonne fête à Ruby Bombastique. Bonne fête à Blue Lopez. Bonne fête. Bonne fête à Maman Nadine en Suisse. Bonne fête à Marianne Traoré. Bonne fête à Tracy Hay aux États-Unis. Bonne fête à Isaka, la beauté Isaka en Suisse. Bonne fête à la princesse Isaka. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi, Patricia du Congo. Bonne fête à Janet, hein, Janet, langue de 52 pays. Bonne fête à toi, Anka Ango. Bonne fête. Bonne fête à Cécile. Ça, c'est dans Cécile. Ouais, Cécile Dema. Oui, bonne fête à l'incontournable Cécile Dema. Bonne fête à ma belle-sœur, Julie Niloko. Bonne fête à Tata Samé. Bonne fête à toi. Bonne fête. Moi, je suis sur mon répertoire. Bonne fête à mon avocat au Cameroun. Bonne fête à toi. Bonne fête à Louise Sop. Bonne fête, ma soeur. Bonne fête à Solange. Solange coiffure. Bonne fête à la femme de Djeman. Voilà, la femme de Djeman. Bonne fête à Mirabelle Langois. Bonne fête à toi. Bonne fête à Magnon en Suisse. Bonne fête à Magnon à Avignon. Bonne fête. Bonne fête. Ouais, bonne fête. Ouais, bon, j'ai fini, hein. J'ai pas grand chose. Hein. Bonne fête à Ngema. Martial Ngema, merci. Bonne fête à Doris. Bonne fête, Mboma Danger. Tu fais quoi dans mon téléphone? Mboma Danger, bonne fête à toi. Tu es une femme. Bonne fête, Mboma Danger. Bonne fête. Voilà. Bonne fête. Tatama, oui, je t'ai cité déjà Tatama. Annie Senga. Bonne fête, Annie Senga. Hein. Bonne fête. Bonne fête à Mélodie MC. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête à tout le monde. Bonne fête, Nicole Kempa, bonne fête. Bonne fête à Patoumel, Patricia Mel, bonne fête à toi. Bonne fête à la veuve joyeuse, bonne fête. Bonne fête à Olivia, à la tontine. Bonne fête à Angèle Kenney Production. Bonne fête à Naomi. Bonne fête à Sam, hein, à Gazelle Peul, bonne fête à toi. Bonne fête à Jackie Petit, hein. Bonne fête à Jackie Petit. Bonne fête à Patricia en Belgique. Bonne fête à Suzanne en Guinée. Bonne fête Isabelle. Hein. Bonne fête. Ouais, bonne fête à tout le monde. Ouais, bonne fête. Bonne fête à Terence. Larence, pardon, ma famille. Bonne fête à Laura. Bonne fête. Ça, c'est qui, Patrick, la reine de la nuit. Bonne fête. Oui, allô? Oui, mon frère. Mm-hmm. Tu es là dans 10 minutes. Ok, je me prépare, on va sortir. Tu penses que IKEA a ouvert aujourd'hui? Ok, d'accord. Ok, mon frère, ça marche. Je suis en direct là. Je souhaite bonne fête à mes fans. Merci. Ok, à toutes, ouais. Donc, j'étais en train de souhaiter bonne fête aux gens qui sont dans mon répertoire. Ça, c'est qui? Vanessa de Strasbourg, la reine de la nuit, Montréal. Bonne fête à toi. Bonne fête, Cassandra. Bonne fête à la star Maison. Je souhaite bonne fête qu'aux femmes de mon groupe, de mon truc. Géraldine à Liège. Bonne fête à Géraldine à Liège. Bonne fête à Dorine Paris. Bonne fête à West Baganté, Gabi.
Bonne fête à Charlie Siga, bonne fête à Jackie Toronto, tac, tac, bonne fête à la Gabonaise, bonne fête à Marthe de Lille, bonne fête à Magnan, à belle-sœur et Marthe de Lille, bonne fête à toi, bonne fête à la reine Banane, à la reine Banane, bonne fête à Annie Girado, Annie Girado, bonne fête à Diva, ouais. Heureuse et bonne année 2011. Merci Diva. Tu m'as au moins envoyé la bonne année. Merci à toi. Bonne fête à Nina à Strasbourg. Bonne fête à Maman Julie. Bonne fête à Francine, la styliste. Bonne fête à Tata Bété, ma mère. Adélie Yamga. Bonne fête à Adélie Yamga. Bonne fête à Marcé. Bonne fête à Eva à Paris. C'est une top modèle. C'est une Ivoirienne. Bonne fête à toi, Eva. Bonne fête à Coco Chanel de Liège. Bonne fête à toi. Tac, 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 tac. Je ne peux pas lire tout mon répertoire. Il y a les gens que je n'ai même pas. Merci. Il y a les gens que j'ai. Bonne fête à Maman Lucie. Maman Lucie à Washington. À Lucie, à Washington. Tac, tac, tac. Bonne fête à ma copine à Zurich, Bellissima Mireille, oui, je t'ai déjà cité. Chantal Aïssi, bonne fête à toi. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bam, 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 bam. Manou Killer, t'es pas une femme. Yvette, maman Yvette. Bonne fête à la maman d'Yvette, ma mère. Yvette, ma copine en Suisse, ma soeur. Bonne fête à sa maman au Cameroun. Bonne fête à Natacha. Bonne fête à ma soeur Christelle à Lille. Voilà, bonne fête. Bonne fête à Sylvie. Voilà, bonne fête à Sylvie. Sylvie, la femme de Kameni. Bonne fête extravagante et estoncia coiffure. Bonne fête à toi. Bonne fête la guerrière. Bonne fête à la guerrière. Zena la guerrière. Bonne fête à Simone Piolet. Bonne fête. Karine Usa. Karine Usa. C'est pas la sorcière là, ici, là. C'est pas elle ici. Attends, c'est qui ça? T'es avec toi quoi, ma soeur? Jusqu'à ce que j'ai voulu te traiter pour une voleuse. Depuis quand? Bonne fête à mes détracteurs. Je ne vais même pas vous écouter. Tous vos messages, je n'ai jamais écouté même d'abord vos histoires. Là. Bonne fête, ça c'est qui? Carole Abena en Suisse. Bonne fête à toi, Carole Abena. Bonne fête à Mimi, ma soeur. Bonne fête à Coco Agenté. Bonne fête à... Moi, je cite que les gens de mon répertoire. Là. Bonne fête à Laurie. Bonne fête à Mamie. Bonne fête à Rosine. Rosine. Bonne fête à ma copine, à Tim. Bonne fête à Fouda. Oui, allô? Oui, l'autographe du nom, hein? D'accord. Ok. Donc, tu ne connais pas. Ok, je t'envoie ça tout de suite, d'accord. Tu avais la main là-bas en Banga. Vous êtes en Banga ou bien en Moyoka? Vous êtes en Banga ou en Moyoka? En Banga, ok, attends, je t'envoie tout de suite, ok. Bon. Bonne fête à la Galloise, oui. Vous citez bonne fête aux gens que vous voulez. Voilà. Oui, ça suffit, non? Oui, je suis pas... Merci. Merci, bye-bye. Bonne fête à toutes les femmes capables de Lille. FC, hein? De Lille. Merci à vous. Bonne fête. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Bisous, je vous aime. Je vous aime, les femmes. Soyez fortes et courageuses. Voilà. Bonne fête à vous. Polly, Madame Serge Le Mignon, oui. Oui?
C'est vous qui travaillez à Monnaie Grande, c'est ça? Ah, ouais, ça va bien. Et vous, monsieur? Ouais. Non, j'avais rien reçu. Vous deviez m'envoyer des photos, mais j'ai pas reçu. J'étais au Canada, je suis rentrée hier. Mais depuis le temps, j'étais là, hein. C'est vrai? Bah, je vais regarder. Dites-moi un peu, on s'était vu à travers mon égram, non? Dans le 81. Oui, oui, le mignon garçon, là. C'est vous, non? Le mignon garçon? Et ça vous surprend de dire que je dis le mignon garçon? Pourquoi? Mais vous êtes... En tout cas, vous êtes bien mignon, hein? Vous ne laissez pas les gens indifférents. Vous avez quel âge, vous? C'est vrai? Non, mais je sais, hein, mais c'est pas grave si je demande votre âge. C'est la fête des femmes, tu m'as même pas souhaité joyeuse fête. Hein. D'accord. Ouais, merci, c'est gentil. De toutes les façons, c'était juste pour rire. Envoie-moi les photos. D'accord. Bah, quel âge je te donne? Bah, je te donne 26 ans. C'est vrai, je t'ai rajeuni, t'as quel âge? Tu as 33 ans, waouh, t'es un cas à prendre ou bien t'es libre ou bien t'es marié? Ah, t'es marié avec combien d'enfants? Un enfant, bientôt le deuxième, il va entrer, hein. C'est vrai, vous allez travailler pour ta femme, c'est une quoi? Ah, vous êtes haïtiens toutes les deux. Ouh, oh là, oh là là, waouh, vous n'êtes pas africain. Oh. Ah, en tout cas, une haïtienne a arraché le mari de ma copine. Hein. Ouais. Je rigole. T'as eu peur, hein? Alors, dis-moi, c'est ta femme qui vend les cheveux? D'accord, bon. D'accord, ouais. Bon... Bah, je te rappelle tout à l'heure, je vais sortir là, je te rappelle. Envoie les photos là, comme je suis à la maison. Ouais. Ah oui, tu peux m'appeler, je sais pas, même dans... Je vais brancher mon portable, j'ai que 11 minutes encore, 11 de batterie, même dans, je sais pas, dans 30 minutes. Ouais. D'accord. Ça va, merci. On fait comme ça. Ok. Hein, haïtien. Donc, ce n'est pas les gens qui font le vaudou là. Maman, pardon, j'ai une ex-copine là qui, elle habitait, elle était voisine avec une haïtienne là qui devenait folle tous les jours. Tous les jours, elle bavardait aux escaliers, pardon. Ouais, maman, quand je mets ma maison comme ça, qui va encore nettoyer pour moi, maman? Je vais sortir. Bon, je vais me changer, je sors parce que ça c'est mon habit de Noël. Oh. C'est mon habit de Noël. Non, c'est quelqu'un qui travaille à Monogram. Je sais pas pourquoi je passe pas inaperçu au fait. Hein. Chaque fois quand les gens me voient, ils veulent tout le temps avoir mon numéro. Je veux savoir, dites-moi, est-ce que j'étais même habillée savoir quoi. Moi je me cache toujours quand je sors, mais pourquoi les gens ils sont toujours, ils voient toujours en moi une star? Non, je vous assure, même quand je suis débraillée, hein. Pourquoi ils veulent toujours que je suis quelqu'un de populaire au fait, hein? Dites-moi mes fans, hein, est-ce que quand on me voit, je sais pas, dites-moi, j'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi les gens, ils se disent, cette fille, les gens, ils se retournent, ils me regardent, alors que je suis même pas extravagante. Je me cache, hein, je suis toujours, voilà quoi, je suis toujours un genre. Attendez, je vais bloquer une personne ici. Voilà, tac, tac. Voilà. Je t'assure, hein, même à l'aéroport avec la reine, avec la PDG canadienne, bah, il y a des blancs qui se retournaient pour me regarder. Je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur, pour sauver les femmes en détresse? En tout cas, j'accepte mon choix. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi comme le 9 de Facebook. La number uno de uno.
Donc, le prochain direct, c'est jusqu'à samedi, hein, parce que c'est l'anniversaire de papa et tout. On va souhaiter. Est-ce qu'on a souhaité bonne fête à Polly? Polly, la femme de Serge Le Mignon, bonne fête à toi. Donc, rendez-vous. Rendez-vous samedi seulement, hein, parce que vous allez voir ma tenue. Parce que samedi, c'est ma soirée. Je suis sur l'affiche de la soirée. Donc, on va profiter pour souhaiter joyeux anniversaire au Grand Neuf, hein, parce que c'est une star. C'est-à-dire, quand je souhaite joyeux anniversaire au Grand Neuf, c'est pas parce que j'attends quelque chose de lui. C'est notre star. C'est l'enfant béni du Cameroun. On doit souhaiter joyeux anniversaire. Il n'a pas besoin de demander. On doit le faire. C'est un peu comme vous me souhaitez joyeux anniversaire à moi. Est-ce que je vous demande souvent de le faire? Donc, laissez-moi souhaiter joyeux anniversaire à papa et tout. Même si je me ridiculise, laissez que je me ridiculise. J'ai toujours souhaité joyeux anniversaire à papa et tout. Ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain que je vais arrêter. Je vais continuer à souhaiter joyeux anniversaire à papa et tout. D'accord, hein? Je vous aime. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui me suivent. Comme je vous ai dit, j'ai mis la croix sur le clash. Quoi qu'on dise, ne venez plus me commenter que ça a dit, que ça a dit, que sur mon mur. Je ne gère plus le vrac. Nous sommes en 2018, l'année de la monétisation. Vous avez compris, non? Oui, c'est ça. Donc, bonne fête à tous ceux qui ont un an de plus aujourd'hui. Attendez, je vais vous couper parce que je dois faire une petite vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à une de mes mamans là. Mm-hmm. Vous souhaitez, tu ne te ridiculises pas. Non, c'est parce que dans les restaurants, ça bavarde. Ça dit que moi, je supplie pour que Samuel Eto'o doit me remarquer. Je n'ai pas besoin que Samuel Eto'o me remarque parce qu'il me connaît déjà. Pour ceux qui parlent là, qu'elle veut seulement se faire connaître par Eto'o. Eto'o me connaît déjà. Je n'ai pas besoin qu'il me connaisse parce qu'il me connaît déjà. Vous avez compris, non? Donc, je vais continuer à souhaiter joyeux anniversaire à papa Eto'o. Je ne gère pas les rats d'égout. Si vous voulez copier comme je le fais, copiez-vous, on souhaite joyeux anniversaire à notre star, papa et tout. Copiez-moi, on le fait. Vous avez compris, ça fait 3 ans que je souhaite joyeux anniversaire tous les ans à papa et tout. C'est moi qui vous rappelle même souvent que c'est l'anniversaire de papa et tout, non? Ou bien, c'est moi qui vous rappelle souvent que c'est son anniversaire. Donc, rappelez-moi. Je ne vais pas oublier. Je dois être la première à souhaiter, avant même les membres de sa famille même. Bisous, bye bye, je vous aime. Il vient d'arriver. Et puis, je dois encore rester, ma tata. Non, ma batterie est là faible. On s'en fout des hommes dit. Je vais toujours souhaiter. Attendez, je veux voir qui sonne là. De toute façon, il y a la caméra chez moi. Hein. Donc, je peux voir qui sonne. Oui, mon frère vient souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Allô? Viens souhaiter bonne fête aux femmes du monde avant que la batterie ne finisse. Maman, je vais faire des ordres parce que mon frère n'est pas. Quand il vient ici là, non. Pardon, je garde d'abord tous les vagues. Attendez, je garde d'abord tout ça. Dieu éternel va souhaiter joyeux anniversaire aux femmes, pardon. J'enlève d'abord tous mes wassa wassa si. Parce que si j'enlève pas, je vais entrer ici, il va commencer à balayer. Je m'en vais voir mon enfant. Je m'en vais voir mon enfant. Oh, je m'en vais voir mon enfant. Mon fils, ça fait longtemps, je donne les rendez-vous de tout si je pars. Attendez, je mange. Je vais le chauffer à manger d'abord. J'ai les restes. J'ai fait le manioc hier, mon frère. Il a mangé le manioc avec les prunes. Mon frère va chopper le manioc et les prunes. Manioc et les prunes que j'ai fait hier. Mon frère, viens souhaiter bonne fête aux femmes. Je coupe le direct. Pardon. Ah, tu fais ta direct? Oui, souhaite bonne fête aux femmes. Coucou à vous. Oh, ils sont encore nombreux. Souhaite les bonnes fêtes. C'est chez ma soeur. Donc, je souhaite bonne fête des femmes à la. De toutes les femmes de la team hein, déjà. Uh-huh. La team, vraiment. La team. Toutes les femmes de la team, bonne fête à vous. Franchement, vous êtes. Moi, je vous adore. Bonne fête à la milliardaire Joséphine Bayan. Bonne fête à ma soeur. Ouais. Bonne fête à ma soeur déjà. Oui, bonne fête à ma grande soeur. Bonne fête à toutes les femmes du bonne monde fête, en tout cas. Bonne fête à.
La chicote des aigris. Voilà. La souveraine de Brignac. Voilà, la souveraine de Brignac. Bonne fête à toi. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à ta doudou. Bonne fête à toutes les femmes de la team. Même aux jeunes filles. Bonne fête. Bonne femme à Béa. Bonne fête à la noblesse Mira. La noblesse Mira. La noblesse Mira, bonne fête à toi. Bonne fête à toi, voilà. La noblesse Mira, bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Franchement, je vous love, les femmes. Je vous love. Garde-moi pour moi ma fauche. Parce que j'ai fait le manioc hier. Ah oui. J'ai fait le manioc avec les prunes. Oui, j'ai bouilli le manioc. Maman, c'est le goût, non? Le manioc avec les prunes. Mon frère, tu vas chop quoi? Il faut que je passe là-bas à Western Union là. Tu n'as pas récupéré depuis hier? Non, je suis pas moi sorti. Ah oui, c'est moi, tu m'as récupéré. Je suis pas sorti. Donc, il faut que. Bonne fête à toutes les femmes, vraiment. Bonne fête, on vous laisse. Je vais manger mon maillot et les plus, vous les voir. Ma béa, oh, on va se voir. Ma béa, encore, elle n'est pas encore rentrée. Moi, ma béa, là, il faut que je la voie. Je dois recevoir ma béa. Ma béa, il faut que la team choisisse un restaurant où je te reçois là-bas. Hein. Ça tombe bien comme là. Ah, Océane, bonne fête à Océane. La Togolaise à cou Océane. Bonne fête à Océane. Le combat continue. Ah ouais. Mon frère. Merci. Pardon, donne-moi un manioc et la prune. Ouais, si je mange, c'est mauvais. Manioc prune. La chicote. Les aigris. Souveillez. Hé, maman. J'ai ouvert le vin là. Le vin que j'ai ramené du Canada. Ménage à trois. Bonne fête à ma petite soeur chérie, Patricia Matique. Oui, j'ai ramené le vin. Ménage à trois. Il y a pour la mère de mon enfant sur ça. Bonne fête à Rebecca Alan. Oui, bonne fête à Rebecca Alan. Bonne fête à tout le... Radio Abeille. Bonne fête à Radio Abeille. Guillaume, bonne fête à toi. Ah, Guillaume, c'est une femme. Hein? Non, c'est un homme, j'ai oublié. J'ai oublié. Parce que tu avais les prunes pour un week-end. Il y a deux prunes là-dedans, mon frère. Il y avait les bonnes prunes là. Tu te chauffes ça, tu manges comme ça. Non, je vais manger comme ça. Ah, tu mets la même petite assiette. Merci. Maman, quand tu es la grande sœur là, T'es dit que... Ouais, maman. Quand tu es la grande sœur là, tu fais de ces caprices que... Depuis celui-là, est-ce que j'ai mangé? Dès que je vois mon frère qui entre là. Bonne fête à la femme du professeur. Bonne fête à la femme de Pro Zizi, moi-même. Bonne fête à ces trois femmes. Tranquillement, tranquille, Lolo Beauté, la reine mère PDG Fleur de Lille et la femme de. Et la reine mère de la maison même. Parce que nous sommes les Njomba du dehors. Professeur, nous sommes les Njomba du dehors. Hein? On souhaite bonne fête à notre patronne, ta femme. Que toutes les femmes, toutes les Njomba du dehors souhaitent bonne fête aux femmes mariées et que les femmes mariées souhaitent bonne fête aussi aux Njomba. Parce que quand vous n'êtes pas là, c'est les Njomba qui gardent vos maris. Et les Njomba aident. Et les Njomba, c'est les aide-moi à vivre. Ouais. Parfois, vous mangez à la maison comme ça, c'est le Njomba qui gère. Aide-moi dans le mariage, c'est les Njomba. Aide-moi dans le mariage. Les Njomba aident. Ne négligeons pas les femmes du dehors. Ne négligeons pas, oh. Bonne fête à la grande royale, Tatino. La grande royale, le 6 juillet à Paris. Jana Bali, bonne fête. Un jour, je me souviens, mon frère, un jour, une femme est carrément venue me voir qu'elle veut m'épouser pour donner à son mari. Tu connais comment les femmes bams la font là? Oui, elle est venue me voir. Hein. Elle m'a dit que oui, je vais. Ils ont aussi allé. Je crois pas. Donc, un jour comme ça, quelqu'un vient me dire que la prune, maman, le manioc. Le goût de ça. Tata Doudou, le goût de ça, oh. Hein? Le goût de ça, c'est le goût de... Il est 18 à Paris, non. Jamais, il n'est pas 18 heures de Paris, jamais. Il est 14 heures, je t'en prie. Garçon, ma chipondon, je suis ta roue de secours. Hein. Je suis en train de venir te voir là avec mon frère, tu vas donner la dot. Délicat. Hein? Ma chipon. On fait mal seulement comme ça, mais j'aime pas trop. Ah bon? Mais en fait, on t'avait pas mangé les prunes. Ah non, tu des bams. Manioc. Plus on mange mal comme ça. J'adorais ce pays,
Bonne fête en Djomba respectueuse. Je souhaite bonne fête en Djomba respectueuse. Oh, maîtresse qui se cache. Bonne fête à Nivakin. Bonne fête à Nivakin. Il partira d'abord chez Magazon. Il travaillera sur le soleil jusqu'à... Il reviendra chez la PDG TV dans son bureau. Tranquillement, tranquille. Bonne fête. Je coupe, hein. Il peut rester jusqu'à demain. Vous pouvez rester jusqu'à demain. La veuve dit que tu peux dormir. Vous n'avez rien à faire. Enflé, vous êtes toujours à vous regarder. Je dis, vous n'avez rien à faire. Ma chipon, bonne fête à ton épouse. J'arrive chez toi là. Tu vas regarder ça. Non, c'est parti, pour partir. Pour partir. Ah, ok. Sortir avec. J'ai sorti ça pour partir. Je vais donner à une personne. Maman, quand vous me donnez le vin comme ça, je partage. Je ne mange jamais seul. Bonne fête à Solange de Paris. Hey, Solange Louvissier, bonne fête ma soeur, Solange Coiffure, bonne fête ma soeur, je suis en train de manger le manioc avec les prunes là. Les gens sont en train de manger le travail. En fait, quand ça colle à la bouche, ça fait mal. Ça a mangé le manioc qui a beaucoup, ça, ça fait mal. Les Noirs, les Africains apprenaient à bien mâcher, hein. Mastiquer avant d'avaler. Ne mangez plus comme si vous êtes pressé d'aller en guerre. On ne mâche rien. Bisous, les Africains sont trop pressés dans la chop. Ne mangez plus comme vous êtes déjà en bain. C'est plus le genre qu'on met dans l'assiette pour tout le monde. Vous avez là votre place. Donc arrêtez de discuter la nourriture, d'être pressé. Vous voyez toujours que vous êtes dans la famille polygamie, qu'on a mis tout le monde. Mon frère, le programme d'aujourd'hui. Après, c'est vous allez me payer pour les directs. Si pas beaucoup de que encore. Oui, ma soeur, le verre s'est cassé. Le verre s'est cassé, j'ai cogné mon pied sur ça. Je passais. Si elle avait été seule, j'espère que ça a bien allé avec ça. J'ai bien balayé, j'ai encore lavé même. Bonne fête. Oui, j'ai dit Denise Yaro. Non, j'ai cité Denise Yaro depuis, hein. Oui, bien sûr. Il y a la Bessie, la parole qui passe à bien sûr. Non. C'est vrai. Oui, je lui ai fait bonne fête. Bonne fête à dessiner la parole. Mon tonton. Ma tata, pardon, ma tata. Bonne fête à la seule baronne de Suisse. Bonne fête à monsieur le bien. Oui, madame le bien. Bonne fête à toi, madame le bien. Le bien, Agnès, bonne fête. Oui, le mari du bon, la femme du bon. Oui, maman. Il n'y a que les intellectuels dans la team PDG. Bonne fête à Diamond. Diamond jaune, Diamond du Canada. Oui, bonne fête à toi. Bonne fête. Bonne fête à Compressor et Lolo. C'est ici là que tu viens les souhaiter bonne fête. Tu n'as, je dis, tu t'es perdu. Profiteuse, tu cours, c'est une bonne fête Compressor et Lolo. Ouais. Vraiment, pitiation. Tu as souhaité, on a vu, je ne te bloque pas. C'est bien comme tu les as souhaité bonne fête. Chacun souhaite bonne fête à sa star, non? Rebecca Allan, j'ai déjà souhaité. Je vous coupe. Moi, j'ai pas envie de partir. Pourquoi vous êtes comme ça? Quittez, non, dis donc. C'est quoi? Je ne suis pas en train de clasher. Vous êtes là. C'est quoi? Quittez. Oui, j'ai compris. On n'aimait pas quand je suis dans le clash. Ah. Bonne fête à la mère de l'enfant de. Eh, il y a même quelqu'un qui s'appelle hein, madame. Oui, madame, mais c'est. Ma, c'est... Bonne fête à moi-même, madame Massep. Future madame Massep. Et madame Fo... Il y a même l'autre, Lali. Qui s'appelle madame qui là? Combien coûte la dot? Parce que tu crois qu'on me dote à Facebook. Viens, on parle, non? Va voir ma mère. Lali Ndombe, bonne fête à toi. Audrey Kimi, bonne fête. Bonne fête à... Je suis que vous êtes les femmes. Non, tu ne m'as pas vexé, ma
Martin, tu ne m'as pas vexé, non, pas du tout. Si tu les souhaites bonne fête, tu ne m'as pas injurié, tu as souhaité bonne fête à tes stars. Donc, ce sont tes stars. Pourquoi je vais me fâcher? Chacun souhaite bonne fête à sa star, non? Mon frère, tu chauffes quoi? La soupe de traba. Oui. Apparemment, il y avait tout qui avait mangé. Non, j'ai mangé, j'ai tourné le couscous hier, le watafoufou hier. J'ai mangé avec la sauce gombo et le crabe. Maman, mon petit régime que j'ai fait, je vais encore venir manger, pardon. Je ne veux plus manger, pardon. Bonne fête à vous tous, hein. À la femme de tous les faux profils. Les femmes des faux profils. Bonne fête à Flora White Fonja. Hé, hey, madame Fonja, Flora White, bonne tu as, fête. Tu as souhaité bonne fête à la marraine de la soirée de Canada, là. Qui se lève au chef. La duchesse? Oui, oui, donc apporte, je lui souhaite bonne fête. Yeah, yeah, maman. Tu as vu les photos là où? Bonne fête à la marraine, à ma belle-sœur du Canada, la Queen Mother, la Queen Mother du Canada, ma belle-sœur à moi, de Toronto. Bonne fête à toi, la duchesse, la Queen de Toronto. Tu sais que les noms Facebook ne sont... Beaucoup de gens ont les noms Facebook. C'est le nom de la Stamania. Mais ce n'est pas leur nom même. Ah bon? Bonne fête à toi, Isabelle. Isabelle Degremont. Hé, hey, Isabelle Degremont a fait danser. Ouais. C'est pas elle. C'est ici. Hé, hey, casse la chicote là. Elle danse. Je m'en vais partager ton direct. Ça, c'est la chicotte. Ouais, un bain là, un colo. Casse la chicotte. Laura Watt. Ah, casse la chicotte. Oh mon frère. Non, tu as mis grillé, c'est chauffé. Tu as annulé, non? Annule. Annule. Appuie sur zéro. Attends. Là, c'est. Pourquoi tu vas manger le coq? Il y a le coq. Le coq? Oui, il y a le coq. Avec vous là. Le magnon, oui. Oui, c'est le coq, non? Je n'aime pas le magnon. Quoi? Le coq, non. Hé, n'y a pas de chicote, pardon, enlève-le. Ouais, partez, non, je coupe mon téléphone, c'est comment? Il y a quoi? Il y a souhaité bonne fête, vous restez à faire quoi là? Déconnectez-vous, non, c'est comment? Partez, c'est quoi? Vous ne travaillez pas. Sérieux ou quoi? Tu n'es pas appelé, partez pas. Ils ont dit qu'ils sont les travailleurs. Donc là, j'ai fini, hein. Moi, je suis plus dans ça. Maintenant, nouvelle année, nouvelle méthode. Mmh. Hey, tu avais mis que l'assiette? Mmh. Mmh, chauffe bien. On a les écouteurs. Non, allez travailler. Je ne veux pas qu'on vous chasse quoi. Partez. Vous avez les écouteurs. Vous allez venir me faire là. Quand j'aurai besoin de quelque chose, vous allez me donner avec quoi si vous ne travaillez pas. Non, allez travailler. Merci à aux fans qui m'a logé au Canada. Merci beaucoup. J'ai oublié son nom. C'est une ex-mix. J'ai oublié. Merci à la Congolaise qui m'a offert le sac à main. Bonne fête à toi. Oh, j'ai oublié même. Mon téléphone est où? J'ai oublié. Bonne fête à toi. Très belle, mais bonne fête à toi. Bonne fête. Merci beaucoup. C'est passé mon portable. Je ne sais pas où j'ai laissé. J'allais regarder son nom dedans. Merci. Je vais regarder son nom. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Pour savoir si je suis là. Oui, je suis là, mais je vais sortir aussi là. Mon frère, on dit que l'éloge c'est chaud là-bas aujourd'hui. Oh. Mm-hmm, bonne fête à ma soeur Pascaline Guetta. Oh. Il y a la veuve qui est avec elle nous invite aujourd'hui. Hein. La veuve? Mm-hmm. Tu es sérieuse? Mm-hmm. Avec elle nous invite aujourd'hui. Qu'elle va être dans quel restaurant là, après ils vont bouger. Ouais. Quand on se voit. J'ai dit que maman paye quoi? Déjà, la vidéo, tu peux sortir aujourd'hui, mais demain, tu ne peux pas sortir parce que demain, ouais, tu es au frère, je vais sortir aujourd'hui. J'ai pas. La PDG canadienne arrive aujourd'hui, non?
Oui. Parce que tu sais que tu dois sortir demain, ma. Parce que comment ça tu es fatigué là aujourd'hui là. Demain, il faut que tu dormes pour être la forme samedi. Donc, c'est aujourd'hui. Oui. Il faut qu'on fasse les choses qu'on doit faire aujourd'hui. Attends, je prends l'appel la veuve là. Hé, hey, mon frère, donc on sort aujourd'hui. Moi, on va là-bas ici. Sortir encore samedi. Ah, tu vas sortir demain. Hein? Tu vas sortir demain pour sortir encore samedi. Ouais, c'est ça. Voilà. Je ne peux pas, ou bien donc, je ne peux pas sortir. Parce que tu as la maison, tu fais tes choses. On oui. va, on va, et voilà. Faire tout après-midi, voilà. Ouais. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Mais dis-tu, est-ce que tu as été sollicité dans la société? Mon frère, je... Ouais. La Stamaya. Ouais, la Stamaya. Tu vois que tu choses après la programmation. Il y a le Radio Royal qui t'a valorisé. Qu'est-ce qu'un Radio Royal comme ça? C'est où? Non, mais je suis en haut, je ne peux plus descendre. Ça chauffe pas bien, je fais non. Enfin, ma soeur, si tu t'assois là pour manger, non. Non, la personne qui t'appelle, attends. Non, merci. C'est un des fans qui m'appelle qui veut que je lui débloque. Je suis un type pédiste. Toi, tu lui débloques, tu l'as bloqué. Je ne sais pas. Que je t'ai dit de lui débloquer, en fait. C'est qui comme ça? Je ne sais plus le nom. Viens t'asseoir ici, mon frère. C'est la personne. Ça, quand il vient d'abord me parler mal là, moi, quand je bloque, je ne sais plus débloquer. Non, généralement, c'est moi qui débloque tout. J'ai fait 2 heures de direct. Oui, allô? Oui. Oui, c'est comment? Tu arrives? Parce qu'on va sortir là. Dans combien de temps tu es là? On s'en va voir un enfant. On s'en va voir mon bébé là qui est né là. Oui, chez ma soeur là. Tu es à quel niveau? Mais on peut attendre, hein? Tu as la gare du Nord. Pensais que tu étais à Saint-Denis, tu allais me prendre les brochettes là-bas. Tu es à la gare du Nord. Mais tu es déjà dans le truc qui vient à la maison ou bien tu es toujours à la gare du Nord? Ok, donc on attend, alors tu viens avant qu'on part. On attend, mon frère, je m'en vais ici à côté, hein, à la poste. Pendant que tu manges, hein, je vais à Western Union. Ok, ça marche, on t'attend. Pardon, viens vite parce que la journée d'aujourd'hui, on a dit qu'on part là-bas, chez elle. J'ai même pas tout. Ok, d'accord, ça marche, on t'attend. My God. Bon, on coupe, non? Big up. Bye bye, bonne fête à toutes les femmes du Gabon, du Congo, de partout, quoi. Ouais, vous aussi. Mais pourquoi on m'avait donné le camp for me? Ça, c'est le charme. Même toi, ça ne te laisse pas. Moi, mais ça ne me laisse pas, dis donc. Il faut que vous me débloquez des directs, là. C'est quoi? Quelqu'un s'assoit là, même pour partir, encore faire ses pubs. Non, c'est quoi? Débloquez-moi. Départez. Oh. Sortez, le conseil est fini, non? Ça va la commode. Le conseil est fini, sortez. Mettez-vous dehors, s'il vous plaît. Tu connais là-bas, au tout camp, ça peut, on chasse les gens le mal. On dit, allez. C'est comme au bibos. Ou en boîte. Rentrez chez vous, pardon, dans les restaurants là. Vous n'avez pas rien. C'est les ailes de poulet. C'est comme pour ailes de poulet. Je mange les ailes de poulet. Sortez. Sortez. Le conseil est fini, non? Vous faites encore quoi à 700? Sortez. Vous n'avez rien à faire. Vous ne travaillez pas. Hein? Partez travailler, pardon, sortez. Je veux couper, sortez. Je ne sais pas ce que vous faites là. Partez, je finis de parler. Allez dans d'autres pages. Je les chasse même, ils sont là. Trop d'amour pour la reine, mais. Je vous chasse même. Vous parlez mal, vous êtes là. Tes fans t'aiment trop. Oh, mes fans, non. Ils m'aiment. C'est une famille. On s'aime plus qu'une famille, tu vois. Hey, j'ai pas lavé les mains, j'ai oublié. Ouais. Ah.
Et tout à l'heure, il avait quand même des... Ouais, c'est quand j'ai fini de manger. On fait le manioc là, c'est comme le manioc de chez vous là-bas. Bon. De vos villages là, donc c'est bon. Manioc de babimbi. De babimbi, de macaque. Macaque. Enfin. Dieu t'aimait le promoteur. Mm-hmm. C'est qui? Ce sont tes fans, mon frère. Normalement, je suis les fans. C'est vrai que le frère du star. Ce sont tes fans, mon frère. Ce sont tes fans. Tu sais que tu seras à Oman, non? Oman, oui, le 20, le 19 mai. C'est que le 19, c'est le 18 maintenant. Man, ah, les gens là. Le 18 mai, Oman. Mm-hmm. Ouais. Le 18 mai, Oman, je sais Oman. C'est une femme, toi, qui t'aime à Oman. Mm-hmm. Elle a dit que si elle arrive. Mireille Bellissima, tu sais, je serai chez toi, Oman. Que si tu ne viens pas, ne vis pas. Le 18, je serai chez toi, Oman. Tous mes fans du Man là, je vous attends. Mais je vous chasse, ils sont encore revenus. Ouais, oh. Maman, Seigneur, Seigneur, fais finir la connexion des gens qui me laissent tranquille. Kalamongo, télécharge-moi le téléphone. Fais que la batterie des gens ici. Ah, Kalamongo, je veux que la batterie de ceux qui me regardent, les 600 personnes ici, là. Bibi, c'est à quoi dire qu'elle veut les droits d'auteur de Tchavou? Parce qu'elle veut au Canada, avant de dire Tchavou, il faut les droits d'auteur. Au Tchavou, même. Mm-hmm. Kalamongo, éteigne-moi le portable de mes fans ici. Pour le moment, allez travailler, allez faire le ménage chez vous. Allez masser vos gars, non? C'est quoi? Sortez de la salle. Ouais, je vais prendre le balai sur vous. Hein. Mon frère, je te sais un peu le vent. Tu veux boire de l'eau? Non, ah, écoutez. C'est bon, très bon. Hein. Oh, ouais, même ça. Juste bon. Oui. Mmh. Ouais, maman Sarah, sortez de la salle, laissez-moi en paix. Quittez, partez chez les carteuses, non? Partez même en face chez les carteuses, non? Oh! Je n'aime pas qu'on me force l'amitié comme vous faites là. Arrêtez de me forcer l'amitié, dis donc. Oh, trop de forçats d'amitié, trop de forcing. Je n'aime pas qu'on me force l'amitié. Power! Mm-hmm. Ouais, mes sincères condoléances aux familles attristées. Vraiment, mes sincères condoléances. J'ai vu un artiste là. Mm-hmm. Il s'appelle comment là? C'est qui Photo? Quelque chose. Photo là. Il s'appelle Ismaël Photo. Mm-hmm. Ouais, mes sincères condoléances. Ouais, comment quelqu'un peut faire le direct? Le gars était en direct dimanche. Mais... Ouais, mon Dieu, la mort c'est quoi? Pardon. Il est mort comment, ma soeur? Arrêt cardiaque. Laissons les problèmes. Ça ne sert à rien. Okay. Parce que, regardez Ismaël, c'est un gars costaud. La vie, c'est quoi, les gens? La vie, c'est quoi? Le gars costaud comme ça, debout. Il a fait le direct dimanche. Un jeune, il a fait le direct l'autre jour. Maman, il est mort. Il faut que ça nous... Moi, je ne suis plus dans ça, pardon. Même si on me suit, je ne réponds plus. Avec, je n'ai pas envie de me coucher un jour comme ça. Je me réveille plus parce que... À cause de ce que je m'en vais faire le direct. Je peux venir faire un truc pour rigoler, mais vraiment, je ne suis plus dans ça. Mais je défendrai toujours les femmes mariées en défense contre les prostituées, contre les femmes, les voleuses de mari. Ça, je ne peux pas dire que. Ceux qui disent que Claude ne te mêle pas des problèmes des gens, c'est mon combat. Une femme qui sort avec le mari d'autrui, elle doit raser les murs. Elle doit se cacher. Point barre. Si elle se cache. Une femme qui sort avec le mari de tuer ne publie pas les photos de l'homme là sur son profil Facebook. Parce que quand tu mets les photos d'un homme marié sur ton profil Facebook, ça veut tout simplement dire que tu veux déjà prendre le mari. Hein? Quand tu prends les photos d'un homme marié, tu mets sur ton profil Facebook, ça veut dire que tu as envie de prendre le monsieur. Tu veux montrer officiellement que tu es avec. Oh, ça ne se fait pas. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Pourquoi Dieu accepte qu'on l'empoisonne? C'est que son jour est arrivé. Parce que Dieu, le bon Dieu que vous voyez, si ton jour n'est pas encore arrivé, même si on t'empoisonne, le poison là n'entre pas. On te guérit. Donc je disais que... Poison. À un ami, il y a une vidéo dans laquelle la mère Ismaël Photo... Ça m'a fait trop pleurer, franchement. La vidéo de la mère... Ah non, 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 j'ai pas pu en fait. J'ai pas pu, c'était trop.
C'était waouh, non, c'est pas possible. Quoi, parce... J'ai pas pu regarder tellement je vois la maman de trucs. Pourquoi même mettre les choses comme ça sur la toile au fait? Pourquoi mettre ce genre de vidéo sur Facebook d'abord? Qui a mis ça? Qui a mis ce genre de vidéo? Regardez comment la maman l'assise a battu tellement mal. Vous mettez ça sur la toile, pourquoi? Les hommes qui prennent les femmes des gens, on n'a pas encore entendu l'autre là. Une maman qui perd un enfant. Une maman qui perd un enfant, vous filmez sa détresse, vous mettez sur Facebook comme ça. Non, moi j'ai pas. Oui, même si elle raconte, vous n'avez, si je ne sais pas, vous ne mettez pas sur la toile en fait. Vous savez, Facebook, on ne met pas tout quoi, ça m'a trop choqué. Ah, elle s'adressait aux gens, hein? Ok. Ma faute, tu as oublié Patricia Matique. Non, j'ai cité depuis. Merci, ma... Je vous laisse. Bye bye.